Et hop, ça, on est en ligne. Voilà. Transition. Eh bien, Donc bonsoir. ils ont entendu la transition. C'est ça. Alors, bienvenue sur cette partie de Warhammer, le contrat Holdenheim. Deuxième partie. Petit résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière. Eh ben, écoute... Je me suis cassé la gueule. Kranich, Kranich, il fait le résumé parce que du coup. Ah bah Kranich, allez vas-y Kranich. Pourquoi moi? Parce que tu t'es cassé la gueule. Parce que c'est toi qui as vécu le plus de bouleversements dans la partie dernière donc. Ouais, c'est pas faux, j'ai eu des bouleversements dans la force aussi. Ah non, mauvais jeu, pardon, mauvais oui, univers. Bah, dis ce qui s'est passé. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur un rafio, j'ai oublié le nom du rafio, mais c'est pas grave. Le Bruce Willis. Il voulait absolument décharger. Hein? C'est rien, failli pas relever. D'accord, ok. Donc on a continué, donc on a fait notre chemin et compagnie. Bref, ils ont déchargé la cargaison avant de nous permettre de descendre. Ce qui a fait qu'on était à la bourre pour choper une auberge ou autre. Et résultat des courses, en fait, on l'a eu dans le potin. Donc on a attendu dans une taverne un peu histoire de rester au sec. Parce que évidemment, bah, il flottait comme vache qui pisse, hein, pour voilà. Je peux dire vache qui pisse, hein. Vas-y. Donc, il pleuvait pas forcément, mais il faisait très humide. Voilà. Ouais, il faisait très humide. Bref, voilà. Et résultat des courses, comment il y a un mec qui a essayé de nous la mettre à l'envers, mais on l'a foutu à l'envers au gars qui l'avait demandé de nous poignarder, tuer. Bref. Ouais, vas-y, prends la main. Ouais. Donc, on cherchait une auberge. Il y a un gars qui nous a renseigné, il nous a conduit dans un piège. Il s'est barré, mais il nous a laissé 4 malandrins qui voulaient nous détrousser. Il y en a 2 qui sont morts et 2 qui sont en fuite, blessés. Et après, on a finalement trouvé une auberge après plusieurs heures aérées dans les bas quartiers du port. Auberge miteuse qui nous a coûté nos 2 reins plus un bras. Et donc ouais. Payer deux chambres au lieu d'une. Et on s'est retrouvé dans une seule chambre commune, alors qu'on avait tous payé une chambre chacun. Mais bon. Et puis dans la nuit, il y a eu une tentative de cambriolage dans la chambre. Et grâce au talent de piégeage de l'elfe et à Louis Fine du soldat et de la je sais pas quoi là la nana qui gueule à la justice, c'est ça, ouais. Exactement. On n'a pas été détroussé. Et je dis ça en complétant d'écrire ça dans un bouquin au petit matin, je suppose. Bon. Donc toujours est-il que votre voleur s'est enfui par les toits, emportant par la même quand même. Il a quand même réussi à vous piquer. L'elfe a perdu une flèche, ouais. Bon, ça, et moi... Non, non, il a perdu. Alors, du coup, il a pris 2 parce que moi j'ai perdu mon épée. Oui, non, mais tu l'as perdu dans les égouts, toi. Tu as pu le poursuivre sur les toits et tu as fait une grosse chute. Certes, les ordures ont amorti ta chute, mais tu as perdu ta dignité et ton épée. Voilà. Voilà. Vous avez fini par vous recoucher et vous vous réveillez. Oui, allô. Allô. Une bonne odeur de gruau caresse vos narines. C'est un peu loin en fait. Dans le micro. Oui, la pause était un peu. Ouais, bah déjà. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne odeur le gruau? Ah, ouais, non, une bonne odeur de gruau. Voilà, quand je vous le dis, une bonne odeur de gruau. Ok. Ouais, voilà, c'est si bon que ça. Bah, personnellement, je prends mes affaires et je descends m'enquérir du gruau. Hein. Parce que je veux parler avec lui, il est sympa, voilà. Eh ben, quand tu descends, je sais pas ce que font les autres. Oh bah, même chose, attends, pour une on va fois se préparer, qu'on peut manger. Hein. Un peu boitillant, mais on va se préparer. Eh bien, donc, tu descends en bas et tu revois notre cher Rudolf Grasseur, l'aubergiste qui vous a accueilli hier soir. Donc, un petit vieux ridé, les cheveux blancs. Qui est en train de déposer... 4 bols remplis d'un gruau bien chaud et du vin certainement coupé à l'eau vu. Bah, je le remercie. Moi je me méfie, on n'a jamais été aussi gentil avec nous, c'est bizarre.
Et je lui demande comment il va. Est-ce qu'il a passé une bonne nuit, lui? Vous en avez fait du raffut. On a eu un peu de visite. Il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer par la fenêtre de la chambre pour nous détrousser. On savait pas que c'était une coutume locale de nul, en fait, mais bon. Ouais, mais ça, c'est... Ouais. Ouais, mais j'ai pas pu payer la dîme ce mois-ci. Il est reparti avec une flèche de l'elfe. J'espère que ça vous portera pas préjudice. Ah, c'est les risques du métier, hein. Mais bon, avec ce que vous m'avez payé, je peux peut-être les payer maintenant. Je goûte prudemment au gruau, mais j'en fais pas mine devant lui. Hein, je reste assuré de prendre. Si vous voulez payer, peut-être pour vous récupérer ma. Ah bah ça, il faudrait que vous alliez directement discuter avec eux. Hein. volontiers. Excusez-moi, est-ce que je dois bien comprendre que vous parlez d'un groupe de personnes qui apparemment bafouent honteusement la loi et font un œuvre de racket? Bah, il te regarde les yeux un peu guerriers. Je fais l'impôt, quoi. Ah, c'est les impôts. Ah, ok, j'ai eu peur que vous parliez de malandrin à un moment. Ah, c'est bon, alors ça va. Bah, ouais, c'est l'impôt pour pas se faire cambrioler, quoi. On vient de la campagne. Ouais, je vois ça, ouais. Enfin, surtout elle. Da, ouais. La campagne. Non, surtout moi, en fait. Non, non, c'est de où déjà tu viens? Qui ça, moi? Oui. Je viens d'Ostermark. Ouais, non, elle vient d'Ostermark, voilà. Tu sais, les cutéreux, là, Oui, c'est ça. Les espèces de barbares. Non, mais y a pas besoin d'en rajouter, tu sais. Hein. Tu sais, en Ostermark, le grand truc, quand l'hiver arrive, pour s'amuser, c'est sortir dehors, et puis on se boit un shoot de vodka, et on se fout une baffe dans la gueule. Le premier qui tombe a perdu. Ouais, en fait, c'est la Russie, quoi. Voilà, grosso modo, c'est ça. Désolé. Bon. Bien résumé. Bon, ben... Voilà. Bon, mais c'est pas tout ça, mais... je vais aller chercher maintenant... le menuisier, là, histoire qu'il répare la porte. Hein. Ah, oui. Bon. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ce petit... oui. Il carte l'armoire et il s'absente. Nous sommes désolés de vous avoir déporté. Oh, mon Dieu. J'ai perdu des neurones. Voilà. Oh, le merde. Pardon, famille et tout et tout. Alors... Donc, il s'absente. Avec cette blague, hein. Oh, ça y est, c'est fini. Bon. Donc, vous voyez que Rudolph sort de l'auberge et revient 3 minutes après avec un gars qui est accompagné d'un autre, enfin d'un gars d'un certain âge, qui est accompagné d'un gars beaucoup plus jeune qui a l'air de porter des planches, des outils, enfin il porte tout. Ah, il commence à prendre des mesures et il commence à travailler sur la porte. Pour que vous êtes en train de prendre votre petit déj. Je vais taper la discute avec lui de savoir particulièrement en fait savoir comment. Comment expliquer ça en gros, à savoir un peu comment se porte la ville et particulièrement en fait le côté artisan, guilde des marchands. Je sais pas si mon talent sur le langage de guilde peut marcher ou pas. Bah c'est pas ta guilde en fait. Hein. Ok d'accord, c'est ok merci. Bon bah alors non, je laisse tomber. Hein. Bah si tu veux savoir en savoir un peu plus sur nul, oui expliquer. Oui bah c'est ça, c'est demander. Moi je vais demander à lui, voyez avec l'aubergiste. Attends, laisse-moi finir de causer là quand même. Bon, alors, tu me fais un petit test de commérage, parce que c'est à ça que ça sert. Mmh. Alors, normalement, je l'ai en acquis. Je vérifie. C'est ça. Hop, commérage. Je vérifie par rapport à ce que j'ai devant moi aussi. 1, 2, 100, 67. Mais c'est un joli fail. Alors, clairement, le gars, ouais, vous savez, machin, boulot, gnagnagna, beaucoup de boulot en ce moment, y a plein en ville, on n'arrête pas de me demander des tas de trucs, regardez, je travaille à l'aube, bon, l'aube est déjà levée depuis un moment, hein. Je suis d'accord avec lui. Manifestement, je n'est pas très, 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 très causant. Vous vous rendez compte, David, ces pauvres bêtes. Voilà. Et puis, j'ai fini bon. Alors, le gruau est bon. Le vin éclairait, pas terrible, terrible, mais c'est pas de la piquette non plus. Alors, par contre, le gruau est super bon. Ouais, je le trouve assez. Pour une chose, ouais. Je le trouve assez fade, le vin, en fait, c'est bizarre. En tout cas, moi je le fais ici, je lui dis que le gruau
la couche à l'étage sont de très bonne qualité. Ah, c'est une auberge de Sting, hein. C'est ce qu'il faut. Juste souris, je dis, en effet. Bon, bref, c'est pas du ça, mais bon, pas payé une nuit, mais vous restez ou... Oh, tu... question. Est-ce qu'on pense pouvoir trouver une autre chambre ailleurs? Et on se débrouille, possiblement. Non, mais je demande au MJ ce qu'on peut nous savoir, en fait, là, pour le coup. Ah bah, hier soir, vous n'avez pas trouvé. Aujourd'hui, ça changera, hein. Ouais, mais hier soir, on était cantonné au port. Alors, la question, c'est, on doit faire quoi dans Nuln, en fait? On est parti à la gloire, enfin à l'aventure. Ah, vous êtes parti à l'aventure. À l'aventure. Pas encore. Désolé. Bah, peut-être que ça serait mieux de sortir de cette ville et d'aller dans des endroits plus... Bah, attends, on n'a même pas vu la ville de deux jours. Ça serait triste de partir, quoi. Oui, bah, surtout oui. Que les possibilités d'aventure, clairement, elles sont plus grandes dans les grandes villes que dans les petits villages. Hein. Ça, c'est... Ah non, les petits villages, moi, j'en peux plus. Hein. Va ouais, réparer la vitre là-bas, fais-moi un verre par ici... Oh, non, allez chasser les rats dans ma cave... C'est ce que j'allais dire, ça sent le vécu. Oui, mais bon. Eh ben, on peut toujours essayer de trouver un poste de garde ou autre, voir s'il y a quelques trucs à... en fait, il faut chercher des renseignements, quoi. Attends. Je demande comment ça s'appelle ? La veille, enfin, l'avant-veille, les places étaient prises chez lui. Enfin, il y avait de la place pour dormir. Ah, il te regarde. L'air de rien. J'ai des clients quand même de temps en temps, hein. Et je lui demande, et si on veut dormir plus souvent ici, est-ce que tu y fais un prix? Ça dépend de combien de temps vous me réservez, quoi. Si vous prenez à la nuit, je vous fais le plein tarif, sinon, voilà, quoi. Les places sont chères en ce moment, hein. Il se passe quoi exactement? C'est pas la foire, mais c'est tout comme, en fait. On dirait que tous les marchands du coin se sont donné rendez-vous. Faut dire que la route était mauvaise jusque maintenant, donc, du coup, tout le monde se retrouve en ville en même temps. Les affaires marchent bien, hein, mais, bonne chance pour trouver. Bah ça dépend combien. Ouais, même tarif quoi. Une couronne par nuit. On avait fait moins la dernière hier. Ouais, bon, 18 pistoles. Bon, ouais, ça va. moi je regarde les autres et je vous dis que ouais, peut-être au moins déjà la nuit prochaine être sûr, comme ça on a. C'est pas faux. Oui, c'est même assez intelligent. Pas, hein. En plus, mon épée est pas loin. Au moins, on est sûr d'avoir un point de chute. Le gros bon, certes, il y a une fenêtre qui fait un peu de vent, hein. Et qui laisse un peu entrer des gens, mais bon, on se démerdera la prochaine fois. Oui, voilà, c'est... Bah, de toute façon, au pire, la nuit prochaine... Non, mais on verra. La nuit prochaine, on n'est pas là. Je la garde un peu, quand même. Mais, moi, je sais pas pour vous, moi, je suis pour... Moi, je suis plutôt pour qu'on se paye... On paye la nuit suivante en étant sûr, au moins, de pouvoir avoir un endroit où dormir... moins une assurance, quoi. Je suis d'accord. De toute façon, ouais. L'expérience d'hier nous a montré que si on restait ensemble, on avait plus de chances de s'en sortir, donc... oui, je suis foncièrement pour. Et celui qui perd ses flèches, il en dit quoi? Ça me va. Bon bah, moi, je lâche les... Par contre, je regarde, la justice, là, hein, parce que je l'appelais la justice. Hors de question que je paye pour toi ce soir. Non, j'ai bien compris, pas de soucis. Je peux à aussi pas subvenir à d'argent et qu'il fait et que à ce moment-là, bah voilà, parce que tu es quelqu'un d'église, je veux bien te payer le truc, mais ne nous méprenons pas. Je ne suis point encore d'église. Hein, C'est-à-dire. Bah, je suis en train de faire mes preuves, mais je n'ai pas encore intégré l'église de Verena. Et justement, si je viens ici, c'est pour pouvoir... c'est un bon début, déjà, pour faire de l'aventure. Oui, parfaitement. Mais t'es sûr qu'il y a un temple de Verena, ici? Parce que, bon, je veux dire, pour l'instant, à l'exception de ce brave aubergiste, les gens qu'on a rencontrés, ils ont plutôt eu envie de nous dépouiller. Justement, partout où il y a injustice, il y a un temple de Verena.
Ok. Bah, vous savez, si vous payez votre impôt à la garde et votre impôt à la guilde des voleurs, pas de soucis, hein. Dit Rudolf, on est okay, plus loin. Ok, je demande si c'est pas indiscret de savoir c'est combien par mois, juste à titre indicatif. Ah bah ça dépend, mais là c'est un peu plus cher, il y a beaucoup de monde. Hein. Ouais. Ça forcément, vous savez, tous les prix augmentent. Hein. Ouais, combien? Cher quand même. J'ai pas entendu en fait, ta voix est très cher. Cher. Cher, très d'accord. Cher, quoi. I love you babe. Non, pardon. Désolé. Attends, moi je me retire les 18 pistoles quand même de mon porte-monnaie. Et je vous réserve le repas aussi. C'est du midi ? Non, du soir. Ouais, du le soir. Midi, je peux que des gens comme vous, ils vont aller se balader en ville. Non, midi, ouais, soir, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, je peux vous faire une tourte si vous voulez. Coûtera 6 sous. Bon, allez, hop, je lâche 6 sous de plus, perso. Donc, ce qui m'amène à 11 couronnes, 5 pistoles et 6 sous. Donc, enfin, les pistoles, une pistole, c'est 12 sous. C'est ça. Okay. Ah, j'ai impérial, combien, ça, c'est en fait. Alors, donc, pour la nuit, il lui demande combien? 18 pistoles et 6 pistoles le soir pour la bouffe. Pour une tourte. Et 6 pistoles? Non, 6 sous. 6 sous, oui, excuse-moi. Oui, j'allais dire, putain, 6 pistoles la tourte, il met quoi dans sa tourte? Du caviar? Alors, ça vous paraît cher, une tourte, mais bon, malgré tout, voilà. Bah, moi, je lui dis que vu ce qui m'a servi ce matin, je m'attends à... J'en attends beaucoup de sa tourte, voilà. Ah bah, moi, c'est sûr, je mets pas de viande de rat, hein. Je suis rassuré d'un coup. Si j'ai bien, c'est sans doute. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est bizarre. Bon, alors je lui file déjà les 18 pistoles. Par contre, il va falloir qu'il me fasse de la monnaie, le brave homme, parce que sinon. Ouais, mais t'inquiète pas, il a de la monnaie. On s'occupera pas des questions de monnaie. Hein. Ah oui, j'ai 14, ça. C'est. Vas-y, moi je rembourse la moitié de ce qu'a versé notre ami. Bah, toi. Non, mais moi j'ai payé pour moi. Hein. Et oui, ah on paye pour soi là. Hein, Ah oui, c'est. J'ai pas payé pour tout le monde, paye... j'ai payé pour moi. Ah oui, d'accord, je pense que j'ai juste dit que si vous êtes vraiment en dèche, oui, je peux payer, mais c'est, voilà, faut pas en faire. Non, c'est bon, je peux payer. Alors attends, du coup. 18 PA et 6 sous. Sachant que une couronne d'or, c'est 20 pièces d'argent. Et 20 pièces d'argent, c'est 12 sous. Voilà. Non, 20 pièces d'argent, c'est 240 sous. Oui, c'est 240 sous, pardon, excuse-moi. Une pièce d'argent. Une pièce d'argent égale à 12 sous. Alors moi, ça me fait que j'ai 15 couronnes et allez, 240 terre. Sous moins 6. Donc ah non, mais la base décimale, monsieur, hein, la base décimale. Système impérial. C'est compliqué comme truc. Hein. Bref, alors, hier on a payé combien? La même chose. Sauf qu'il n'y avait pas de tourte. Sauf que toi, t'as payé la porte. Oui, voilà, c'est ça, j'ai payé la porte. Donc. Ah oui, d'ailleurs, la porte, vous entendez la négociation du prix, a priori, il va la payer 4 PO. Hein. Enfin, ouais, 4 PO. Bah, en même temps, on l'a payé... c'était 6, c'est ça, qu'on avait négocié? Non. Il vous l'avait demandé à 6, vous avez fini par payer 3. Ouais, et il lui demande 4. C'est ça. Ok. Bah clairement, si j'entends. Si une fois que la négociation est terminée, moi je lui donne une couronne d'or pour le plus de la porte, parce que bon, c'est un peu nous qui l'avons payé. Ah bah alors ça. Monseigneur. Vous êtes le bienvenu dans l'établissement quand vous voulez, hein. Moi j'ai envie de dire, en même temps, j'assure mes arrières, hein. C'est pas faux. Bon, il veut bien faire un effort. Et il discute avec le menuisier et celui-ci répare. Quoi, quoi. Ah. S'il répare la fenêtre, je me demande où c'est qu'il se fournit en vitre. À mon avis, tu peux lui dire vous mastiquez comme ça, mais c'est pas très bien en fait, parce que là le mastic va sécher vachement plus vite. Et non, non, je critique pas son travail. J'ai mal à mon âme. Ah bah ça, j'ai un ami qui est verrier, il me fait des prix d'amis. Hein. Ouais.
justement. Je lui dis que bah, en gros, je suis du métier, je suis dans le verre. Et que forcément, rencontrer des confrères, ça m'intéresse. Non, mais en fait, quand il dit qu'il est dans le verre, ça veut dire qu'il y a un bon coup de, beaucoup de coudes, en fait. Hein, c'est ça, c'est pas... ça n'a rien à voir avec... Ah, parce que les mecs qui sont dans le rouge, ils ont pas de fric, en fait. Bon. Mon Dieu. Oh là là. Ah bah du coup, le grasseur se sent plus, tu sais, parce que si j'ai bien compris, vous cherchez du travail dans le coin. Ça. Carrément. Oui. Alors je vous le dis franco, hein, les verriers oubliés, hein, c'est ce qu'il y a plus courant ici. Hein. Je lui demande s'il y en a des bons, s'il y a des maîtres d'artisans en ville ou autre. Ah bah ça pour sûr. Hein. Ok. Bon bah ça. Ok. Ce gars ne sert à rien. Et ouais, je les connais pas tous, bien évidemment. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, qu'aller voir les guildes. Ouais, ouais, bah, ce, qu'il va, ce ouais. que je vais faire. C'est vers la vieille ville. Merci. Enfin bon, attendez-vous à devoir payer, hein, parce qu'on rentre pas dans les guildes comme ça. Hein. Ok, merci. Alors, vous avez assez d'argent ? Bah, je verrai combien ça coûte. Non, bah, c'est bon, si vous cherchez du boulot... Ah, généralement, les sans-emploi, ils se rassemblent sur la Reichsplatz. Ah bah, c'est là-bas que tous les désargentés vont. C'est aussi là-bas que les maçons, tous les artisans vont chercher de la manœuvre pas chère. Ok. Merci. C'est bon à savoir. Bon, si on est vraiment dans la merde, on peut aller là-bas, c'est ça que ça veut dire. Ouais, grosso modo, c'est ça. Ah, mais bon. Bon, en tout cas, bah, je sais pas, je sais pas ce que veulent faire les autres, moi. Bonne question. Moi, je pourrais toujours essayer de trouver un temple de Vérena, pardon, parce qu'il y en aura forcément un quelque part, mais faudrait d'abord penser à se refaire une petite santé financière, quoi. Ouais. Moi, je vous voyez ce que je veux dire. Dans le temple, si tu donnes pas au moins 100 ou 200 couronnes, hein. Pour la justice, bien sûr. Et pour entretenir le temple, hein, de la justice. Bien entendu. Alors, le temple de la justice n'est pas à Salt Lake City. yep. Ouais. Oui, bon, franchement, je pense qu'il serait peut-être temps de se faire une petite santé financière, parce que à cette vitesse-là, on va pas tenir longtemps. Voilà, c'est ça. Donc, surtout si vous pétez tout le temps des portes. Ah, j'en ai pété qu'une. Ouais, justement. Mais on sait que Nuln, c'est une ville où il y a des aventuriers, forcément, si on y va. Ah, tu veux dire qu'on aura de la concurrence ? Et merde. Non, c'est pas qu'on aura de la concurrence, mais qu'a priori, c'est qu'il devrait y avoir des Mr. Johnson pour nous donner des boulots, quoi. Donc, c'est ça, Mr. Johnson. Tu connais pas. Il est au fond du... au fond de la taverne. T'es sûr que c'est pas Johanner, plutôt ? Johanner ? Mais bref, on peut toujours essayer de voir ça, oui. Et puis, on a notre soldat qui s'est retrouvé à court d'armes. Oui, c'est surtout ça. Je suis pas vraiment d'armes, hein, ça va, mais bon. Ah bah quand t'es arrivé hier soir, on a entendu ça. Hein. J'ai plus mon épée est dans l'eau, c'est n'importe quoi. Je devais pas tomber, elle devait tomber à côté de moi. Je l'ai dressée comme ça. Tu nous empêches de dormir pendant au moins une trentaine de minutes. Pas faux. Au minimum. Bon alors du coup, ce que vous essayez de faire. Bah moi, je serais d'avis de faire un tour sur la place là où il n'y a pas grand monde et éventuellement de demander là-bas où on peut embaucher un groupe d'aventuriers. Entre guillemets, les annonces sur la machin place, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. La Riket Place. Ouais. Moi, les noms allemands. Ah, ils font fou. Moi, je m'en fous, je suis d'Ostermark. Alors, la Riket Place. La place du Reich. Tu veux dire qu'il y a le fleuve qui passe ? Dans la place ? Bah, le fleuve traverse Nuln, donc c'est pas aberrant. Oui, que... non, mais c'est pas ça. Voilà. Donc c'est une blague qui tombe à l'eau. Oh putain ! Oh là là, c'est pas possible.
Et référence à mon épée, ça, j'ai compris. Par contre, on n'entend plus l'elfe. Bon, j'en ai rien à dire. Hein. Ah, d'accord. Bah, on n'entend plus l'elfe. C'est un peu inquiétant. Je parle plus que l'elfe, c'est bizarre. Ça qui est que l'elfe n'a que des choses intelligentes à dire. Je demande au... comment s'appelle, je me rappelle jamais du nom du tavernier. Rudolf Grasse. Je demande Rudolf. À Rudolf c'est à peu près où est la Reich Place là et pour pouvoir s'y rendre facilement. Ah bah, vous pouvez pas la louper, c'est la plus grande place de nul. Alors il t'indique vaguement le chemin et il dit de toute façon vous si vous vous perdez, vous demandez à des gens, il y a bien quelqu'un qui arrivera à vous indiquer où est la Reich Place. Hein. Et ils nous font payer combien? Ce genre de renseignement, ils devraient pas vous la faire payer normalement. Ah, vous avez dit, en ce moment, de ce que j'ai compris, en ville, ils veulent tous faire payer. La Reichsplatz, c'est pas compliqué. C'est sur la plus grande des avenues, dans l'enfilement de la... Et dans l'enfilement du pont. Vous pouvez pas la louper, c'est au milieu de la nouvelle ville. Ok, merci. Merci. Bref, bon, bah... Ça, hein. On va vendre un an. Les quartiers de la ville sont séparés par des postes de frontières. Alors, la vieille ville, oui. La vieille ville est séparée par une muraille de la nouvelle ville. Et sinon, le Reich perce la ville et c'est aussi l'endroit où l'Aver vient se jeter dans le Reich. Donc, en fait, il y a deux fleuves qui coupent la ville. Et donc il y a des ponts, il y a des petites îles. Donc la ville est coupée naturellement par muraille à l'intérieur, par les deux fleuves, et après. D'accord. Donc, vous essayez de partir sur la Reichsplatz, c'est bien ça? Oui. Yep. Bon, ben vous arrivez effectivement à retrouver l'artère, la plus grosse artère de la ville, pas compliqué. Alors, elle s'appelle la place Emmanuel. Alors, pourquoi la plus grande rue s'appelle la place Emmanuel? Vous en avez aucune idée. Si ce n'est qu'Emmanuel, c'est le nom de la comtesse électrice de la ville. C'est à côté des gorges du fleuve, non? Non. Et donc voilà. Ok. Finalement, vous arrivez à trouver la Reichsplatz parce qu'elle est bondée de monde. Effectivement, vous avez l'impression que tout le monde, tous les gens du coin se sont rassemblés sur la place. Hein. Alors, ouais, ils cherchent tous l'aventure, quoi. Il y a des marchands qui cherchent des gardes du corps, il y a des fermiers, des maçons qui embauchent des ouvriers, des cavaliers qui montent des équipages, voilà. La plupart des emplois qui vous sont proposés sont assez ennuyeux et largement sous-payés. Exactement le genre de travail que vous avez essayé d'oublier le nom aventurier. Au milieu de la place... Un champ de patates, c'était une super aventure. Au milieu de la place, il y a une espèce de grand arbre, un horn, qui a l'air plus que vénérable parce qu'il est énorme. Donc, si vous vous posez la question, on vous dira juste que c'est l'orme sacré. Voilà. Il a un tronc qui est de la taille d'une petite âne. Et vous voyez qu'il y a des papiers. Si vous voulez regarder un petit peu ça, ouais. Qui sait lire et écrire? Moi. Moi. Lire et écrire, c'est quoi? T'inquiète, c'est un moyen de communiquer, je t'expliquerai un jour. C'est un talent, c'est ça, hein. Signe ce papier en bas, s'il te plaît, mets une croix. Alors, je vérifie, Kranich, lire et écrire. Tu sais parler le Reichsplatz, mais tu ne sais pas le lire et écrire. Voilà, c'est ça. Voilà. Et quant à toi, Dormtal... Non, je crois pas. Tu sais lire et écrire, je ne crois pas. Non, il s'est tiré à l'arc. Oui. Bah après, peut-être que j'apprendrai à écrire à l'arc, tu vois. Mais Tu vas plutôt dessiner. Envoyer des sous. Ouais. Moi, je sais lire et écrire. Je ne sais pas si c'est le Reich. Oui, le Reichspiel. Oui, tu sais lire le Reich, pas de souci. En fait, quand vous avez lire et écrire, vous savez lire et écrire les langues que vous savez parler. Ah ben, donc, vous regardez un petit peu ces messages, vous envoyez quelques-uns. Donc, le premier, c'est Axel Ericsson, nous nous sommes ratés de peu à Milheim. Peut-être lisez-vous ces lignes, je suis à l'ours moqueur, presque tous les après-midi. Et c'est Rocky de... Est-ce que c'est censé nous dire quelque chose? Absolument pas. D'accord. Vous envoyez un autre, marqué Personne n'aurait vu Brigitte Balifons, couronne pour tout renseignement. Il y a une adresse, Fidel Borenborg, au 5 Marie de Strasse.
Je fais la lecture aux deux autres. Hein. Ouais, j'avais bien compris que tu lisais. Oui. Ensuite, tu trouves une autre, un autre pied, alors sur le papier un peu plus, un peu de meilleure qualité. Recherche spécialiste, une nuit de travail en toute légalité, quelques risques, bien payés, expérience militaire souhaitée, plaisantin s'abstenir. Conseiller Oldenhaler, résidence Oldenhaler, Oldenhaler Strasse. Okay. Ah ouais, carrément. question, quand, est-ce que les gens retirent les affiches quand ils prennent le boulot ou pas sur la... Ça, t'en sais rien. Non mais je regarde autour s'il y en a qui prennent des trucs en fait. Sur ah la... bah... Ouais, déjà que faut déjà que les gens sachent lire. je sais pas, tu vois qu'il y a des tu vois qu'il y a des clous, il y a pas de message dessus, tu vois qu'il y a des messages qui sont un peu délavés. Parce que j'ai envie de prendre l'annonce avec moi en fait pour aller là-bas. Ils enfoncent des clous dans l'arbre sacré. En tout cas, je sais pas pour vous mais moi l'annonce me plaît. Bah celle-là oui laquelle, parce que elle a l'air d'être dans nos cornes, on a un guerrier même s'il a pas d'armes. Ah non, moi je parlais de bah, il a une hallebarde. Mec, on n'est pas là. Alors, tu penses que Brigid, ça a l'air plutôt d'un prénom féminin. Ouais, ouais, ouais. Enfin, moi je me méfie. Hein. Mais bon, non, mais oui, le truc Aldenhaler. Enfin, je sais pas si ça vous intéresse pour le coup. Ah, si, si, très. Mais bon, expérience militaire, on a monsieur ouais, justement... hallebarde. Le problème, c'est qu'il a plus de, enfin, il a plus que la hallebarde, il a plus son épée, quoi. Ouais, mais c'est pas grave. Ça, c'est pire, pas trop grave. C'est pas, je veux dire, il s'est sorti. Bah oui. Je regarde quand même un peu inquiet, hein. Bah oui, oui, je vais m'en servir. Mais ça me paraît pas mal, ouais. Moi, je serais pour quoi, au moins y faire un tour. Enfin, Dormtal. Non, non, ça va. Il se réveille. Ça va être l'air de la vie. Il se réveille. Il est outré de voir des clous dans un arbre. Mais non, mais disons que je pense que pour équilibrer, on va dire, notre avancée dans cette future mission, je pense qu'il faudra que je me tienne loin de Kranich. Je comprends pas. Moi non plus. Kerek. Non, mais disons que j'ai vu ses talents à la hallebarde et que je ne voudrais pas. Dire être un dommage collatéral. Ça c'est très très moche. Non, mais merde. Il te reste combien de flèches en tant qu'arquois? 6 je crois. Ouais. Bon, en bien. Même temps tu vas pas faire grand chose longtemps hein, avec 6 flèches. Ouais, bah je toucherai 6 ennemis, ça fera 6 fois plus que toi. Et vas-y, mange-toi ça. Oh bah moi, il y a un elfe qui est pas capable de faire les flèches lui-même, hein, que c'est vraiment un elfe. Bon, en tout cas, on est bien d'accord. Il faudrait juste qu'on nous indique. Bah, je vais demander à un Kidam s'il peut nous indiquer où se trouve la fameuse Strasse Hall de machin là. Je sais pas comment elle s'appelle déjà. Bah, bref, où ça se trouve. Il y a du pognon pour avoir une rue à son nom. Bah oui, justement, c'est bien pour ça que ça sonne bien, quoi. Je sais pas si ça sonne bien. Si, ça sonne non, comme à peu près les piécettes bien, hein, qui... Je cherche pas. Hein. ça sonne comme les piécettes qui tombent dans la bourse, tu vois, donc ça sonne très bien. Ouais. Donc la justice s'achète, c'est ça? Toi, tu vas finir dans un cachot. Ça va dire... Ouais, on va voilà, écrit. Je vous ai écrit l'adresse. D'accord. Bah, Oldenhaler Strasse. Ok. Bah, on va demander à. Et c'est une vieille famille, Oldenhaler. C'est aussi ce que je voudrais faire, c'est me renseigner un petit peu, mais. Ça va, oui. Ah bah, si non, je renseigner un petit peu sur lui, pas compliqué, j'ai de commérage. Tous ceux qui ont commérage peuvent essayer de. Ah oui, non, j'ai de commérage, je crois, moi. Oui. Alors, 30. Moi, je vous délègue la tâche, parce que. Hein, Eh, hey, commérage sur 41, moi. Alors, attends. Parce que... Ouais, c'était pas mauvais, hein, commérage, hein. C'est pas niche, hein. Je. Oh putain! Je craque un point de fortune, moi. C'est pour refaire le jeu. Ouais, bon, bah, c'est bon. Ah, ouais, c'est merveilleux. J'ai fait 43 et j'ai 42. J'étais à deux doigts de savoir où ça se trouvait.
Ah oui, d'accord, sur 42, putain. Alors, honnêtement, bon, oh voilà. Bon. Joli. Donc, en fait, Béatrix, tu t'aperçois que les mecs sont plus intéressés pour t'offrir un verre que pour essayer de te répondre. Mais ils te répondent que, ouais, Elden Ring, il est super connu, mais vous voulez pas venir voir, j'ai une chambre à l'auberge. Voilà. Kranich, t'arrives à demander des renseignements, et en fait, on te dit, ah ouais, bah, Elden Ring, c'est pas compliqué, ils ont une rue à leur propre nom, dans la vieille ville, bah, c'est les vieux de la ville. Ça fait des années que la famille Elden Ring investit dans la ville. Et, vous n'entendrez que du bien d'eux. Alors, il t'indique que c'est dans la vieille ville, tout d'abord. Voilà. Et, la résidence Elden Ring, elle est presque sur les remparts, non loin du palais. Et je glisse à Kranich, ah oui, quand même. Profites-en pour demander où est le temple de la justice, enfin de Verena. Parce qu'on sait pas encore. Alors, bah, le quartier. Ah, alors, oui. Béatrix, malgré ton score, parce que bon, ça, le temple de Verena, les gens connaissent, hein. Le temple de Verena, il est dans le quartier du temple, qui est dans la vieille ville, en fait. C'est pas loin de la résidence de Nalur. Quand il y a potentiellement y a les guildes d'artisans dans la vieille ville, il y a le temple, il manque plus qu'une caserne et des arbres, c'est ça? Il y a peut-être un camp d'entraînement d'anges, mais on sait pas trop. Ça va revenir, ça. Bon, bref, si c'est sur la route, le temple de Verena, ou s'il y a tout petit détour à faire, je demande à mes petits camarades si ça les intéresse de faire un petit détour, quoi. Bon, si vraiment ils veulent pas. En fait, le truc, c'est qu'il y a... Oui et non. Le problème, c'est que l'affiche a été posée. Elle avait l'air récente, l'affiche. Relativement, oui. Ouais, c'est pas dit que quelqu'un ne nous souffle pas le contrat sous le nez, en fait, donc je sais pas. Ah, dans ce cas-là, s'il y a un ordre de priorité, je comprends, tout à fait, pas de souci. Je te dis juste que moi, là, voilà, ça ne dérange pas du tout de faire ça, mais qu'on s'étonne pas si quelqu'un nous pique, prend le contrat avant nous. Bah dans ce cas-là, on ira au retour, pas de souci. Verena est justice et sagesse, mais elle est aussi patience, hein, donc. Vu les lenteurs de la justice. Je regarde Béatrix et je me demande à quel moment elle a été patiente depuis le début. Alors donc, je vais essayer de remonter vers la vieille ville. Ce qui est pas compliqué parce qu'elle est surélevée par rapport à la nouvelle ville. Hein. Donc, vous arrivez au rempart, vous voyez que les portes sont ouvertes. Les gardes contrôlent. Bon, ils font payer une taxe. Aux marchands qui font rentrer des marchandises à l'intérieur, mais vous, on vous laisse passer sans aucun souci. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tombez sur un immense bâtiment, juste au sortir de la porte, tout de suite sur votre gauche, il y a une espèce de petite place, vous avez, et bam! Comme la justice, droite comme la justice, un truc avec des colonnes, tout beau. Bâtiment très classique, c'est marqué Temple de Verena, haute cour de justice. Ah! Bon, bah, au moins, mais par contre, je suis d'avis de faire comme nous l'a indiqué notre petit camarade, à savoir... J'ai juste donné les éléments. Après. Je suis certain que Sepp a raison, en fait. Hein. Il faut vraiment qu'on... Moi, je ne veux pas qu'on pousse un dieu. Hein, donc, question... Je te dis, on est passé devant en entrant, donc pour sortir, on repassera devant, on ira, on fera un saut, ou je ferai un saut, si vous voulez pas vous arrêter, mais au retour, pas de souci. Mais maintenant que je sais où c'est... Ah ouais, et puis t'aperçois que c'est un immense bâtiment, hein. Oui, j'en ai jamais vu des comme ça, d'ailleurs. La vache. C'était comment chez toi, temple de Verena? C'était plus cosy. Franchement, petit le temple de Verena, c'était grosso modo 4 planches avec un toit en chaume et... Ah non, c'était un peu plus gros que ça, mais bon, c'était une vieille bibliothèque poussiéreuse. Quoi. Ouais, c'est... Avec pas assez de monde pour s'en occuper. On va dire que ça, à côté, c'est l'Empire State Building, donc... L'Empire quoi? Donc, vous vous renseignez encore pour trouver la Holden Ring. À ceux, on vous l'a dit, montez la côte et vous verrez, sur votre gauche, c'est une des premières rues qui s'ouvre. Vous pouvez pas la louper.
Alors effectivement, vous commencez à monter vers le palais. Et vous tapez déjà une belle montée, vous arrivez sur un premier promontoire en fait. Et là, effectivement, sur votre gauche, là, il y a l'air d'y avoir des noms sur les rues. Hein. Il y a une jolie qui est posée. Holden Aller. Ouais, je fais confiance aussi. Et je dis comme ça, moi aussi, quand je serai grand, j'aurai une route à mon nom. C'est très bizarre, mais bon. Donc, vous commencez à remonter à l'Holden Aller, je trace. Et je présume que vous recherchez la résidence Holden Aller. Ouais, et ça, ouais, bien sûr. Ça ressemble à quoi autour? Alors, c'est très cosy, en fait. C'est, soyons honnêtes, hein, ce sont que des grandes, que des grandes maisons, en fait. C'est, des maisons de maître avec, jardin pour certaines, des immenses bâtiments, des hôtels particuliers, il n'y a pas de masure, là. Par contre, les bâtiments ont pas l'air neuf, hein. Ça a l'air d'être relativement ancien. Bon état. Vous sentez les maisons vénérables. Donc, vous demandez, je présume, le chemin vers la résidence Holden Aller. Oh, on l'a dit, vous pouvez pas vous tromper, au bout de la rue. C'est la dernière. Ok. Et je parie que c'est la plus grosse. Eh bah, trompe pas. Putain, donc, vous... t'as des dons prémonitions en tant qu'adepte. T'as pas idée. Alors donc, vous trouvez finalement assez facilement la résidence, effectivement, c'est la toute dernière, la plus grosse. Donc, le portier s'attendait manifestement à vous voir arriver. Donc, une fois que vous avez martelé la porte ouvre et il vous fait rentrer. Il vous joue la tête aux pieds. Il vous amène vers un vestibule. Il vous fait juste remarquer quand même de vous débarrasser de la boue, de vos bottes avant de rentrer. Oui, bah, normal. Voilà. Et là, vous attendez une bonne. Commence bien. Attendre dans le vestibule, hein. Pas dans un salon, rien du tout. Hein. Uh-huh. Et au bout d'un moment, il y a un serviteur qui vient. On dit suivez-vous, le conseiller va vous recevoir. Et donc, vous traversez le grand corridor, richement décoré. Ça sent l'argent à plein nez et ça l'étale, véritablement. Vous voyez que. Vous sentez que la famille affiche sa puissance financière. Uh-huh. Et on vous conduit finalement, juste le sol est recouvert de tapis orientaux. Aux quatre murs sont accrochés des portraits de famille, des trophées de chasse, des pactes, des cadres. Vous voyez un homme. Un écran noir. Ah, pardon. À mon avis, il essaye de se cacher. C'est louche. C'est louche. Je vais y arriver un jour. Je prendrai l'habitude d'ouvrir mes photos quand je les ouvre. Facile. Je vous présente Albrecht Holden Aller, conseiller. Il est assis derrière son grand bureau en acajou massif et il joue avec un coupe-papier incrusté de pierres précieuses. Il finit par lever les yeux sur vous et les rabaisse avant de vous parler. Comme vous devez le savoir, la maison Holden Aller est en partie prenante dans le commerce et de nombreuses autres activités à différents niveaux. J'ai l'impression pas que nos rapports avec certains de nos agents ou contacts viennent à être divulgués au grand public. Par conséquent, je me dois d'insister sur le fait que cette affaire doit être menée avec la plus grande discrétion. Je peux compter sur vous ? Je pense que tout le monde se regarde en disant « Quel est celui qui va trahir en premier ?» Non. Non, bien sûr, aucun souci. Oui, discrétion, pas de souci. D'accord. Enfin, je dis ça, mais je sais pas pour les autres. C'est le surnom de notre compagnie, en fait. En roleplay, hein, j'ai dit. Enfin, disons... Moi... Mais oui, bref. Ok. Je compte sur vous, donc. Une certaine gemme est apparue dans la cité. Je ne rentrerai pas dans les détails, sauf pour vous dire qu'elle a été achetée pour le compte de notre maison par un groupe de gens qui s'appelle eux-mêmes vulgairement le clan Schatzenheimer. Alors, je vous écris ça, histoire que vous puissiez... Ils ont omis de nous en... Vous devrez donc leur reprendre la pierre, ramenée ici même, demain, au lever du jour. Comme beaucoup de pierres de cette importance, il existe de nombreuses légendes et superstitions qui s'y rattachent. Il est dit qu'elle provient d'une bague ayant appartenu à Nurgle, le dieu du chaos, et qu'elle véhicule une maladie putréfiante extrêmement virulente qui contaminera toute personne qui la manipulera. Évidemment, je ne crois pas un mot de tous ces racontars. Oui, bien sûr. Bah bon, s'il y avait quelques vérités derrière tout cela, vous pouvez prendre ceci. Il y a un coffret superbement ciselé sur le bureau. Vous pouvez l'utiliser pour transporter la pierre. Okay. Le coffret était enchanté pour annuler toute magie émanant d'un objet qui est enfermé pendant exactement 6 heures, ce qui devrait vous être amplement suffisant pour amener la gemme. Je partirai à la tombée de la nuit et je vous ferai conduire à l'une des entrées du lieu appelé l'asile.
D'accord. Event coin loqué. Voilà. Je suppose que la pierre s'y trouve. Ok. Vous avez des questions ? Combien ? Sans coopération, combien en fait ? 100 couronnes par personne, payable à la livraison. Pas d'avance. Ok. Proposition. Oui, quand même. Bah, c'est pas mal, hein. C'est vachement bien payé. Le clan Schrödinger là. Katzenheimer. Katzenheimer. Mais. H. Combien ils sont est-ce que vous avez des infos sur eux en fait Mais sur eux, leur. En fait, c'est ça en fait. Alors, leur nombre et tout. Combien ils sont J'en sais rien. Ok. Voilà. Ils sont dans du commerce illégal. Plutôt de la contrebande, et ils écoulent du matos, ils font du recel, un peu de fausse monnaie, bon, rien de bien méchant. C'est clairement pas les plus gros poissons de la ville. D'accord. Donc on risque pas de représailles de ces gros poissons. Et de la guilde des voleurs ? La guilde des voleurs, c'est un bien grand. Ah, ils nous ont déjà. Dans tous les cas, bah. Oui, c'est juste savoir c'est quoi l'asile, parce que pour le coup. L'asile, c'est un réseau de souterrains qui aboutit à la rivière. C'est la partie centrale est contrôlée par le clan Valentina. C'est la plupart, ce sont des bandits tiléens. C'est certainement ce qui se rapproche le plus d'une guilde des voleurs sur Nul, si vous voulez savoir. Okay. Et aussi la bande la plus puissante, ils sont impliqués toutes formes d'activités illégales, le vol, le recel, l'extorsion. Et un peu plus loin, quasiment au bord de la rivière en fait, il y a le clan Widermans qui contrôle l'accès à la rivière. Ce sont des gens qui sont plutôt originaires des Westlands, des coupes Jared, des contrebandiers. Vous devriez pas avoir affaire à eux. Ok. Acceptez les conditions telles que. D'accord. Je vous l'ai expliqué, le secret est essentiel dans cette affaire. Vous ne pouvez pas vous recommander de personne de cette maison, ni recruter d'aide d'aucune sorte. Nous allons vous prendre en charge jusqu'aux abords de l'asile et après ça, vous serez livré à vous-même. L'entrée à laquelle on vous conduit conduira directement dans la partie du complexe qui est contrôlée par le clan Schatzenheimer. Vous ne devriez pas avoir trop de problèmes pour vous déplacer dans le complexe. Vous pourriez peut-être avoir besoin de connaître les mots des autres clans. Nous connaissons celui des Schatzenheimer. Celui d'aujourd'hui est... Ça a noté ça. Douce quoi ? Douzana, parce que ça a coupé. Je vous l'ai noté. Voilà. Il tire sur un cordon. Un serviteur vient. Et vous emmène. Elle donne à l'heure de vous regarder. Ok. De toute façon, on sait même. Personnellement, on est d'accord que on sait même pas qui c'est qui nous envoie. Si, on le sait. Alors donc... Juste qu'on ferme nos gueules. Donc le serviteur vous guide à travers de nombreux. Corridor, il vous amène dans une petite pièce. Le conseiller m'a dit que si on devait aller chercher vos affaires, vous n'avez qu'à nous le dire, on ira le chercher à votre berge. Juste de donner son nom et on ira chercher toutes vos affaires pour vous. Alors, hors jeu, moi je sais que j'ai pris mes affaires avec moi. Même de toute façon, personne m'a dit que... J'ai payé mon auberge, moi j'ai gardé mes affaires. Hein. Personne m'a dit qu'il avait laissé... ces affaires à l'auberge, donc je suis parti du principe que vous étiez tous partis avec vos affaires. De toute façon, vu le peu d'affaires qu'on a, on va pas laisser grand chose. Au bout d'une heure et demie. Non, c'est bon, on a ce qu'il faut pour le moment. Bon, bah, il vous laisse. Au bout d'une heure. Il vous a ramené un plateau avec. Dessus, un pot de fromage, des fruits, et un pichet de vin avec 4 gobelets. Merci, hein. Juste avant qu'il parte, il y a moyen de lui demander s'il peut nous équiper avant la mission. Nous aurions besoin de quelques flèches et d'une épée. On pourra les rendre après, hein. Les flèches peut-être pas trop, mais. Je pense juste qu'on va être payé. Que l'équipement est fourni, il aurait fallu le négocier en fait. Quitte à le déduire après de la paye, hein, mais. Je vais quand même pas déranger le conseiller le donateur pour quelques flèches. J'avoue que je suis d'accord. Ça nous assurerait plus facilement la réussite de la mission. Point. Après, si vous me dites non, on s'en fout.
Quel genre de... Pour faire de travail, il faut des flèches et une épée. Il part en levant les épées. J'ai pas compris ce que t'as dit. Quel genre de travail, il faut des flèches. Il faut des flèches et une épée. Et il part en laissant les... Bon, bah on se débrouillera comme ça, hein, c'est bon. On est d'accord, ouais, on a bien le coffre, hein, parce qu'on a, on l'a pas dit qu'on le prenait, mais on l'a bien. Si, oui, on l'a bien le coffre, oui. Oui, oui, je l'ai donné. Moi, la seule chose, hein, c'est hors de question que je mette un doigt sur la pierre en question. Oh, tout de suite. Je crois que c'est pareil pour tout le monde. Enfin, sauf si, je sais pas, une adepte d'un autre dieu montre l'exemple et nous prouve que c'est sans danger. Je vais d'abord m'acheter des gants. En plomb. Exactement. On va... Mais bon, d'abord, il nous faut aller de l'autre côté et je pense que on est bien tous d'accord que si on y va pour récupérer la pierre, ils vont pas nous la donner de bon cœur, hein. Il va falloir se montrer persuasif pour y aller. Bah, de toute façon, oui. A priori, ils lui ont piqué, enfin, ils lui ont pas donné. C'est qu'ils s'attendent au minimum à une représaille du gars. Hein. Ou pas. Je pense qu'ils attendent de pied ferme qu'ils arrivent pour leur demander au minimum, s'ils sont un peu cons, un valet qui vient les voir en disant « Oh, c'est pas bien, redonnez-moi ma pierre. » Ils sont cons. Pas faux. Bon, on vous fait patienter une bonne... On commence à être long. Et le serviteur revient avec un plateau chargé de... On a servi, hein. Alors moi, j'ai envie de dire, on va pas attendre trois plombs parce que là, il faut qu'on y aille. On a le temps qui est compté, hein, en soi. Non. Faut ouais, continuer. Mais un repas avec des victuailles gratos, on va pas cracher dessus non plus, hein. Mais le truc en fait, c'est que de toute façon, il faut faire l'opération de nuit, donc. Bah, c'est dans des égouts. Dire que ça passe nuit ou jour, ça n'a pas changé autre chose, quelque chose. Ouais, c'est pas faux à ce niveau-là. Et puis, si on attend trop tard, le mot de passe de l'autre guilde va changer. Si on en a besoin, on l'aura plus. Et en plus, il faut qu'on le donne à la. On a jusqu'à l'aube pour donner le truc. On va pas le temps normalement. Hein. Je répète, un repas de victuailles gratos quand même. Hein. Au prix où on paye, je peux te dire qu'on va pas cracher dessus. Bah, on. Ils nous le déduisent. On prend tout ce qu'on peut et puis on y va. On mange son chemin. En fait. Par exemple. Oui. Attends, ouais. Bon, bah, tu prends des prévisions et vous essayez d'ouvrir la porte et la. Il y a une sonnette. T'en vois pas. Hein? T'en vois pas. Tu vois que ça a l'air d'être plutôt le genre de pièce qu'on réserve au petit personnel. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Au bout d'un moment, le serviteur revient. Ouvre la porte. Oui. Ah, c'est pour savoir, qu'est-ce qu'on attend en fait exactement? Est-ce que vous nous ramenez ce que vous avez dit? Est-ce qu'on peut aller faire le contrat que votre maître nous a donné? Ah, mais j'ai cru comprendre que vous partez la nuit. Il y a quelqu'un qui a dit ça? Oui. Maître lui-même. Ah bon, j'avais pas entendu moi. Moi, je l'avais entendu. C'est bien okay, ça. Bon, bah, ouais, ok, ouais. Bon, bah, dans ce cas-là, on va manger tranquillement. Bah ouais, moi j'aurais bien aimé prendre des renseignements à l'extérieur sur les trucs. Ouais, c'est ouais mais comme cool. Il a précisé que vous ne pouvez acquérir de l'aide d'aucune sorte. Ouais. Voilà. Okay. Enfin, moi c'était sans le citer, tu vois, d'aide d'aucune sorte. Ouais, ouais. Bon. Bah je lui dis que c'est très bon. Oui, bon, pareil. Bon, merci. Au revoir. Et à la prochaine. Je fais les 100 pas. C'est long. Voir les 200. Bah, évidemment, vous attendez un bon moment. Je commence à parler cristallerie avec tout le monde. Oh non. C'est long. C'est très long. J'ai mon ah, mais moi, je tue l'ennui. Hein. Oui, mais non, tu tues d'ennui, c'est pas la même chose. Aussi. J'ai mon albarde avec moi. Oui, oui, après tout. Je menace. Et là, je commence à discourir sur le fait que l'oxyde de fer dans le verre, en montrant l'albarde qui est faite, je suppose, en fer, je parle du fer, de l'oxyde de fer, en long, en large, en parlant de ton albarde, en te faisant un grand sourire. Pourquoi moi? Et en étant content que tu interagisses avec moi, en montrant l'intérêt que tu portes à mon art. Fuis, pauvre fou.
Non mais ne lui accordez pas de crédit, ça, il se lassera si on... Oui, voilà, c'est ça, on va rien faire. T'y arriveras pas, t'y arriveras pas. Je vais le tuer au bout d'un moment, mais on va rien faire. Alors, donc par l'unique fenêtre de la pièce, en fait, vous apercevez que le soleil commence à décliner. La porte s'ouvre. Et vous voyez un type, a l'air pas commode, lui, qui vous fait signe de sortir. Il prononce pas un mot. C'est juste un petit signe de la tête. J'imagine une tête qui ressemble à une commode, mais sinon. C'est un gars plutôt banal. Il a pas spécialement. Même pas, il est patibulaire. Oh, je suis triste. Non, je dis qu'il est vraiment banal. Voilà. Le genre de gars que vous le rencontrez, vous êtes pas sûr de le reconnaître. Voilà. Ouais, ok. Ok. Il a fini. Le mec vous conduit à travers un petit réseau de couloirs et vous ressortez non pas par la grande porte mais par une porte derrière après avoir traversé un mignon petit jardin. Manifestement, il est ses jardiniers très. Je fais un commentaire comme quoi le jardin est bien entretenu. Le gars ne répond pas. Pas grave. C'est là qu'ils enterrent tous les aventuriers qui ont raté en fait. C'est pour ça qu'il est vachement bien. Donc le gars enfile un manteau, met la capuche. Ah putain. Bon, on va s'exécuter, ouais. Regarde s'il va pleuvoir, ce qu'il met sa capuche. Donc, il vous fait serpenter à travers des petites ruelles. Vous finissez par passer une grande porte dans la muraille qui sépare la vieille ville de la nouvelle ville. C'est pas la même que celle que vous avez empruntée en venant. Et puis, au lieu de prendre des grandes artères. Il décide de vous redescendre comme ça en direction de la rivière du Rail. Les beaux quartiers commencent à s'espérer. Vous arrivez dans le milieu de gamme, puis clairement dans le bas de gamme. Là, il vous emmène dans des ruelles toujours en plus sombres, plus sordides. Et finalement, il vous montre un escalier qui descend. Allez. Merci. Bon, bah maintenant c'est à nous. Ouais, on va bien. C'est je regarde le soldat, tu passes de... Alors, je m'attendais à cette... Ah. C'était pas une question. Allez, on est... Ouais, ça sonnait plus comme une affirmation. Bon, ben ouais, et on y va. Vachement convaincu, hein, je le sais. J'ai pas le droit de faire mon couplet habituel sur le fait de pas... que je veux pas descendre dans les égouts. Non, t'es pas sur la bonne partie. Ouais, voilà, t'es pas dans mon... Bon, on descend. Allez. Donc après une petite volée de marche, arrivé sur une porte, celle-ci n'a pas l'air fermée, s'ouvre sur une autre volée de marche, descendante et très rude, qui vous amène dans un étroit passage. Après une quinzaine de mètres, ce passage se termine sur une nouvelle porte. Il y a une inscription note même la porte. Pour ceux qui savent lire, il est marqué « Obéis à l'asile ». Je frappe. Et j'attends. Et on attend. Alors, vous frappez à la porte. Alors, je viens de révéler sur la carte l'endroit où vous... Donc, si vous pouviez vous indiquer, enfin, vous passer, histoire que je sache. Donc, on est sur du. On est en 3ème ou 4ème position. Hein. Alors, sauf que tu frappes à la porte, donc. Moi je suis plutôt en dernier du coup je pense. Est-ce qu'on peut non, se mettre pire, l'un à côté de l'autre ou pas dans le couloir en termes de taille? Donc là le couloir c'est à peu près 2 mètres de large, peut-être un peu le plus. Donc oui on peut oui. Se mettre... Le 1 c'est la porte, on est d'accord? Oui. Ouais. Ok donc cool de me laisser tout seul à la porte. Ah, voilà, tiens. Ah c'était donc, là-bas au bout. Je t'ai décrit un petit peu la porte. C'est une solide porte de chêne, du style solide quand même. Hein. Non mais tu m'as dit, on casse plus les portes. Non mais justement, pique là, on sait jamais, si jamais on en pète une autre, on en a une de rap tout de suite. Quoi. Alors, ça va être difficile à déplacer. Sur la droite, à peu près à mi-porte, il y a une espèce d'anneau en fait,
Donc il y a une espèce de tige qui sort de la porte et dedans passe un anneau. Voilà. Cet anneau, manifestement, vous pouvez l'utiliser un petit peu comme un heurtoir, mais vous pouvez aussi, a priori, faire dans un sens ou dans l'autre. Moi je dis heurtoir. Vous y voyez à peine, j'en déduis que quelqu'un a au moins une torche. J'ai une torche, à la limite, si j'ai moyen, mais j'ai rien dans l'inventaire qui me dit que j'ai une torche. T'as une torche, y'a pas de souci. Moi je vois dans la nuit. Je savais que t'étais une sale. Pardon. Donc, tape, tu tiens. Non, ce mot-là est banni de. Une torche. Qu'est-ce que vous avez en main d'ailleurs ? Mon épée, forcément, parce que je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va devoir l'utiliser. D'accord. Voilà, moi j'ai mon halbarde. Moi j'ai mon arc. D'accord. Kranich, halbarde. Bah, tu veux que je la mette où ? Dans mon... C'est assez haut pour que j'ai pas de problème avec un arc. Oui, pour l'instant, ça va. D'accord. Il y a assez de hauteur de plafond, je te le dis. Vous frappez à la porte et... Rien. Je crois que j'ai l'air trop menaçant. Ce plan commence à mal tourner déjà, je ne sais pas pourquoi. Je recule et je me mets derrière Kranich. Et je dis, on sait jamais, la porte peut être... Il n'y a pas une espèce de Judas ou une trappe qui pourrait nous surprendre, disons. Dans la porte. Ouais. À part le fait que la porte a l'air de... L'espèce de d'anneau là qui est sorti dans la porte a l'air de tourner dans un sens ou dans l'autre. Parce que vous voyez que le bois est usé à cet endroit-là, a priori. Ok. Il tourne l'anneau, Kranich, il tourne l'anneau. Non, faut peut-être parler de la boussane. Donc tu prononces le mot de passe, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Le silence te répond. Bon, bah c'est déjà bon. Salut, essayer. Toi, ça va ? C'est ça. C'est comme l'écho qui te répond, tu vois. Écoute, t'es le key target, ouvre la porte. Certes. Alors, vous êtes devant le mot de passe, vous avez frappé, personne. Ah, on ouvre, non ? Alors, non, je veux pas être chiant, hein, mais s'ils ont un truc qui est vraiment malsain, là, et qu'ils l'ont pas mis dans un truc qui protège comme il faut. Ah oui, ils sont dans la merde. Ouais, on est d'accord. Oui. Donc, peut-être c'est qui déjà le dieu en question Nurgle. Nurgle. Et c'est qui déjà Nurgle pour... Dieu de la pestilence. Ouais. Ah ouais. Ouais ça, ah, c'est taquin. Dis-moi donc. C'est un scénar d'intro. Oh, ami elf, t'es en train de nous dire que si on ouvre la porte, on risque de se prendre des espèces de créatures chaotiques, purulentes, etc. Moi je dis, faut laisser quelqu'un qui s'y connaît en religion nettoyer tout ça. Moi j'aurais dit plutôt des lépreux ou des pestiférés, quoi. Mais oui. En effet. Peut-être qu'ils sont tous morts et qu'ils ne peuvent pas ouvrir la porte. J'essaie d'ouvrir la porte. C'est l'idée. D'accord. Attends, ok. Bon. T'entends une espèce de gros bruit sous tes pieds. Juste avant que... Je reste attrapé dans cette putain de poignée. Alors, tu me fais un test d'agilité et pareil pour Sepp. Pour Kranich. Oh, réussi, je pense. Réussi. Ça sent les emmerdes. Ça sent la goule. Ouais, réussi. Non, pas slash. Non. Pas slash. Point d'exclamation, monsieur. Ouais. Point d'exclamation. Je crois que c'est réussi. Ok. Ouais. Vous arrivez tous les deux à vous rétablir en vitesse. Vous agrippez le rebord du machin. Vous voyez qu'en bas, la fosse fait 4 mètres. Il n'y a rien au fond. Par contre, du coup, t'as lâché ta torche. Enfin, si, tu vois qu'il y a une torche au fond, maintenant. C'est mal barré. Et là, j'ai envie de poser la question quand même vache. Et là, Albard, elle est où ? Ah, elle est au fond aussi. Pardon. C'est bien ce qui nous semblait.
Dans la fosse, il y a. C'est une vraie fosse, quoi. Il n'y a pas de. C'est pas un. Ah non, c'est juste un couloir, trou. Quoi. C'est pas. C'est juste un trou. Voilà. Clairement, c'est. On pensait qu'il y avait peut-être Marianne. Est-ce qu'on peut récupérer quand même. On a une corde ou quelque chose pour aller récupérer la hallebarde? Bah, écoute, même. Franchement, même si vous glissez en bas du trou et que vos camarades avec la hallebarde, ils peuvent vous remonter sans aucun souci. Hein. Bon, vas-y, je m'en occupe. Il y a aussi. Je suis accroché. Bon. Oh. Vous avez aussi un petit rebord sur le côté qui vous permet éventuellement de retourner jusqu'à la porte. Donc, vous avez environ un rebord qui fait 30 à 40 cm de large. Maintenant, tu peux paniquer. C'est ça. Panique. Ah non, c'est pas ça. Pardon, désolé. Donc, ouais, non. Stop panicking, Anakin. Voilà. Donc, je me laisse glisser, je récupère la hallebarde et la torche. D'accord. Voyons que tes camarades te font remonter. Alors, ils sont vaches, ils te laissent mourir au fond. Bah, on lui jette des pierres, en fait. Des cailloux. Bon, mortel ennemi. Et du coup, Sepp, est-ce que ça serait possible de tourner dans l'autre sens? Vas-y, je mets du côté porte et je tourne dans l'autre sens. Tu fais ça avant ou après que Cranny soit remonté? Après, ouais. Parce que je suis pas un bâtard. À mon avis, ça va refermer le truc, je pense. Mais... Oui, c'est pour ça. Donc, tu le tournes dans l'autre sens, la porte s'ouvre, la trappe reste ouverte. Bon, bah, c'est pas très grave. Ah si, ça va être super dangereux. Je ne vous demanderai pas de jet d'agilité pour passer sur un petit rebord de 30-40 cm. Ah, bon. On se sert de la hallebarde pour faire le pont. C'est de hallebarde. Donc, la pièce dans laquelle vous rentrez, c'est une pièce déserte et obscure. Oh, d'accord. Je vais vous la révéler. Je suis un gars comme ça, moi, je vous révèle les... Tac. Moi, je dis qu'il faut... Déserte obscure, au centre, vous voyez une table renversée. Contre le mur est, il y a deux armoires en bois. On dirait que leur contenu a été forcé. Enfin, on dirait qu'elles ont été forcées, que leur contenu est éparpillé sur le bois. Enfin, sur le sol, pardon. Est-ce que le contenu sur le sol a été grignoté? Alors, attends, je finis et tu me poseras la question. Dans le mur sud, à droite, à la porte, vous remarquez qu'il y a une espèce de levier en fer d'une vingtaine de centimètres de long. Levier est relevé en position verticale et sur le mur sud à une portée de bras en fait de la porte quasiment. Bon, tu voulais savoir si le mobilier avait été grignoté. Non, a priori il a été défoncé. Enfin, tout a été défoncé et le contenu éventré par terre s'est complètement brisé. Quoi. Je mets ma main sur le levier et je demande si je touche à ça. Non. Ça va refermer la trappe, non? Bah, je suppose, mais je vous demande. Moi, je dirais que dans le dos de s'abstenir. Si on doit se barrer en courant, c'est pas cool. Moi, je serais d'avis de tester, quand même. Ok. Je m'éloigne du levier et je dis « Béatrice, je t'en prie. » Verena guide ma main. J'avance, je mets et je pousse le levier. Vous entendez une espèce de grondement qui... Et la trappe? Comme je t'ai dit, Verena guide ma main. Homme de... Ah si, j'ai beaucoup de foi. T'en as beaucoup plus que moi, donc... Mais ça, c'est parce que je viens d'Ostermark et qu'on aime les boissons alcoolisées, c'est ça qu'on doit être un peu plus... Vous pensez oublier dans la vodka que vous êtes gouverné par des cons? Il y a une référence, mais je... L'hexagone. Ah putain, oula, j'étais à deux doigts. Bref, tout ça pour dire que... Bon, par contre, c'est très bizarre, parce qu'il n'y a personne pour ouvrir, il n'y a personne qui a l'air de se... Parce que ça fait du boucan, je suppose, l'espèce de grondement, etc. C'est un grondement sourd, c'est forcément un truc... Et les infrasons, ça se propage vachement bien dans le sol. Hein. Y a de la poussière sur les meubles ou pas? Donc, c'est pas très très propre à la base, quoi. Disons que... Dans un souterrain, on peut pas dire que la salubrité soit... C'est pas l'occupation des gens du coin. En gros, la question, c'est est-ce que le meuble fracassé, c'est vieux? Ou est-ce qu'on suppose que ça peut être assez récent? Ça a l'air d'être assez récent.
Après, ce qu'on peut se dire tout simplement, c'est que, a priori, de ce que j'ai compris, il y a une grosse guilde des voleurs qui tient la plupart des égouts, enfin des réseaux, et eux ont cette partie du réseau. Alors, si ça se trouve, comme c'est une entrée, si ça doit être, ça doit être leur, une de leurs entrées à eux, et donc, bah, pas forcément, s'ils sont pas nombreux ou s'ils sont pas fut-fut, ils la gardent pas. Mmh. Ou s'ils sont tous maudits par Nurgle. Voilà. En tout cas, il y a personne qui peut se poster en garde ici, c'est juste relou. Il y a plus de meubles, il y a plus de chaises, ouais. En gros, il y a personne qui doit passer hein, dans le coin. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, il y a de personnes qui devaient passer. Bon, bah, je regarde Kranik. Il faut quelqu'un pour ouvrir la marche. Moi, je t'éclate. Ouais, bah, reste pas. Bon, bah, je vais fermer la marche. Non, c'est moi qui ferme. Ok, bah, je serai entre toi et Sepp alors. Par contre, moi, Kranik et Béatrix ont bougé pour moi. Ah, désolé. Hop, voilà. En avant. Allez, les verts. Ouais. Ça y est, ça commence. Alors. Ah, oh, ça n'a jamais terminé. Hein. Je présume que vous... vous continuez dans le petit couloir qui s'ouvre à vous. Bah ouais. Bah ouais. Autre choix. Bah ouais, au bout de ça. Quelques mètres, vous arrivez dans une pièce. Avec un 3 marqué au sol. Il y a un 3 marqué au sol, c'est bizarre. Alors, vous arrivez dans une espèce de grande salle. Il y a des torches tous les 1m50 environ qui sont accrochées aux 4 murs. Seulement, la plupart de ces torches sont éteintes et celles qui brûlent encore jettent une lumière plutôt tremblante sur une scène que vous pourriez qualifier de macabre. En effet, le sol est jonché de mobilier retourné, cassé, et tout est maculé de sang séché. Mais ce qui attire surtout votre attention, c'est la demi-douzaine de cadavres étendus au sol, éparpillés un peu partout. Ils ont l'air d'être ou entaillés très profondément, ou hérissés de carreaux d'arbalète. Uh-huh. Ça sent le Nurgle. Et ils pouvaient pas utiliser des flèches d'arc, ces bâtards, quoi. Ça sent la goule. Ça sent surtout les emmerdes. Ouais, ça sent surtout les emmerdes. Complètement d'accord. On va redoubler La lumière, j'éteins ma torche. Ceux qui sont criblés de carreaux d'arbalète, ils ont l'air normal ou ils sont un peu jaunâtres, pustulants et putrés Tu t'approches d'eux, regardez. Bah ouais, quand même. Ok. Avec circonspection. Il y en a un que tu regardes en particulier. Tu regardes juste le premier qui arrive. Bon, le premier. D'accord, donc là tu vois un gars qui a été proprement lardé de ce qui semblerait être un coup d'épée. Le gars est manifestement plus que mort. Le sang a l'air relativement sec. Et tu vois que sur son cadavre, il y a une petite carte. Étant donné que tu sais lire, tu arrives à lire, c'est marqué « Félicitations, vous venez de faire connaissance avec le clan Valentin. » Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut oublier Nurgle. La mauvaise, c'est que j'ai l'impression qu'on a été un peu devancé. Ah. On est un peu mal barré, du coup. Et bah, le truc, c'est que ça a l'air récent, quand même. Bah non, le sang est séché. C'est pas si récent que ça, mais c'est pas non plus... Ouais, d'accord. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même une bonne avance, si le sang est séché. Hein. Ça veut dire qu'il y a au moins... Le sang est séché, mais les cadavres n'ont pas l'air d'être très putréfiés. C'est ça. Il n'y a pas de rigidité cadavérique, quoi, donc quelques heures. On sait quoi, c'est ça, c'est quelques heures. Hein. Ah bah ça suffit largement pour aller prendre le truc et se casser. Bah, faut demander à quelqu'un qui a l'habitude de la chasse, de la traque, des cassis-flèches. Non, mais en fait, il est juste cueilleur, il n'est pas chasseur-cueilleur, c'est tout. Ce qu'il a dans le dos, c'est pour cueillir, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais non, moi je suis un artiste. Jamais été attaqué par un buisson de mur. Moi j'attaque des cils en paille, si tu veux. Hein, d'excellence, ah ouais. Du tir à l'arc, quoi. Il se nourrit de noix de coco, en fait. C'est comme ça qu'il est fait tomber du cocotier. Mais bon. Faudrait peut-être avancer un peu plus rapidement pour voir si c'est le ménage est déjà fait. Parce que si on le ménage se sépare est... Non, bah justement, il faudrait en être certain. Sinon, ces gens-là, ils ont leur armement, leur équipement sur eux, ceux qui sont morts là, ou ils sont dépouillés. Bah, tu regardes tout le monde ? Je regarde vite fait de ce que je vois par sans toucher, quoi. Oui, oui, oui. À coup de pied, quoi. Tu aperçois que
Ils ont tous été proprement liés. Il n'y a plus de bottes pour ceux dont les bottes sont encore en état, a priori. Enfin, celles qui restent sont des bottes qui, manifestement, sont pas métables. Hein. D'accord. Ils ont même plus de ceinture, ils n'ont pas d'armes, rien, quoi. En tant que policier sans chaussures et pieds nus, je suis dégoûté. Bah, faut juste pas que tu te retrouves coincé dans un hôtel le jour de Noël, quoi. C'est ça. Alors, c'est pas un hôtel, c'est l'immeuble. Ah, c'est un plaza. Mais... Oui, c'est un immeuble d'une grande entreprise. Bref, bon, bah, arrêtons les références. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire j'ai pas trop. Enfin, c'est des histoires d'humains, ça. Ceux qui ont tué ceux-là, là, c'est qui par rapport à. Bah, c'est le clan Valentina, les tueurs. Et je pense qu'ils sont venus récupérer. Peut-être qu'ils savent pas que la pierre est là. Non, je pense pas. Mais de toute façon, le clan Valentina, on est d'accord, c'est bien leur mot qu'on a de la journée. Non, c'est Anna le mot de passe. Douce Anna. Oui, non, mais. Oui. Merci. C'est un mot de passe pour eux. C'est un mot de passe pour un des clans de voleurs. Mais c'est pas Valentina, celui qu'on va aller voir. Hein. Pas celui chez qui on oui, est là. Celui qu'on va voir, c'est pas leur mot de passe non plus. Enfin, à moins que j'ai pas compris, mais. Non, c'est pas leur mot de passe non plus, ouais. Si, je pense que c'est leur mot de passe, mais c'est Schatzenheimer. J'entends rien du tout. Il vous a dit que c'était le mot de passe des Schatzenheimer. Voilà. On est chez les Schatzenheimer. Okay. Le Dusana, c'est le mot de passe des Schatzenheimer. Et les Valentina sont passés dire bonjour aux Schatzenheimer. Ok. Ils ont tous éliminé un par un, comme dans la mafia. Et les Valentina, c'est pas chez eux qu'on devait passer pour rejoindre nos commanditaires, à un moment ? Pas forcément. Ah non, les gars chez qui vous deviez aller, c'est ceux chez qui vous êtes là en oui, ouais, mais il me semblait qu'ils nous avaient expliqué que sur la route, on croiserait des zones gérées par d'autres et que du coup, bah, fallait les éviter, faire attention, quoi. Il nous a dit que dans le réseau en question, il y a des zones qui sont contrôlées, mais qui nous déposaient devant l'entrée de ce qu'on va aller voir. Voilà. Mais je pense que on est arrivé en pleine petite explication de texte entre les deux, là. Vous me lancez un dessin, tous ? C'est un dessin. Oh, ça va passer. Ça peut passer. Ah non, ça... Oh, c'est joli. Oh. Je suis content de mon résultat. Et Dental ? J'arrive. Ok. Béatrix, tu remarques quand même que 4 des cadavres portent la fameuse carte. Il y en a 2 autres qui ne portent pas carte. Oui, bah je suppose que ça, c'est les autres du clan Valentina. Bah, je pense que s'ils sont venus, ils sont pas repartis avec leurs cadavres. De toute façon, ils signent le truc, donc... Bon, on va ils avaient plus de cartes. De quoi ? Ils avaient peut-être plus de cartes. Oui, aussi. C'est sûr que s'ils prennent un jeu de 32... C'est... De question, c'est quoi les petits pointillés à l'ouest de la carte ? Alors justement, j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, c'est une porte. Il y a un couloir qui s'ouvre vers le sud et une porte qui s'ouvre vers l'ouest. Donc la porte est fermée, c'est... Ouais, tant qu'on va pas au nord, voilà. C'est mauvais. Bon, vous voulez faire quoi ? Regarder les cadavres ou... Non, on va bouger là. On va se dorer la pilule. Alors la question c'est, on descend tout droit ou on prend la porte à gauche ? Je m'en remets à une autorité divine. Béatrice, tu prends la décision. Ok. On tira pile ou face ? Père ou impair ? Père. La tranche. Non. 7 paires ou un paire. Étrange. Bon, on va pas rester 25 ans sur une porte. J'allais vers cette foutue porte et puis voilà, point barre. D'accord, on passe ton personnage dans la peur. Bon, de toute façon, on est dedans. Voilà. Je présume que tu essaies d'ouvrir la porte. Celle-ci n'est pas verrouillée. Alors, attends. T'as tourné dans quel sens la dernière fois ? Dans le sens contraire. Ouais. Non mais elle n'est pas verrouillée. c'est pas grave. Pas une porte fermée. Hein. Aperçoit que c'est juste une petite barre à relever et que la porte s'ouvre toute seule. Et hop, si. D'accord. Bon, bah je lève la petite barre. Éloignez-vous de moi au cas où. Il y a un one pass dedans. C'est pas. Enfin, c'est une sous des deux côtés. Hein. D'accord. Bon. Bah... Alors,
présume que vous continuez votre chemin. Bah ouais. Ouais. Vous arrivez dans une nouvelle pièce. Encore une pièce dans le noir. La lueur de vos torches, vous voyez une autre scène de mort et de destruction. Un planqué, cette. Ouais. Alors, contre le mur, vous voyez empiler des débris. Voilà, c'est. Vous apercevez aussi contre le mur ouest des lits superposés qui manifestement étaient complètement défoncés. Et dans le coin, à votre gauche, quand vous rentrez, vous voyez empiler 4 cadavres. Encore. Main. Je loot la pièce. Non, ça c'est dans jeu de cartes. Tu double-cliques et rien ne marche. Bah, l'avantage, c'est que si on cherche un endroit pour dormir, on l'a trouvé. Pas faux. Ouais, enfin... Tu vas te servir des cadavres comme couverture ? Bah, il y a des draps, on va se débrouiller. Ah, les draps, non. D'accord. En fait, t'as de la charpe, mais t'as... les couvertures, non, même pas. C'est juste des chiffons, et encore, pas sûr de les utiliser. Ça, est-ce que ça démontre, on va dire, une grosse équipe d'intervention qui fait le ménage, en gros, ou une créature un petit peu trop surhumaine, en fait? Ah bah là, tu vois que les cadavres ont été empilés, hein, donc manifestement, ouais, donc... c'est pas une bête sauvage. Hein. Ah, t'en es quasiment sûr. Hein. Bêtes sauvages font rarement des tas de cadavres. À part peut-être certains sauriens. Ils sont morts comment, ces gens-là? C'est coup d'épée, coup d'ague? La plupart, c'est épée. Et dague ou carreau d'arbalète. Ouais. Voilà, pour ce que tu veux. Et d'ailleurs, il y a peu regardé... d'animaux qui tuent avec des carreaux d'arbalète, quand même. Et comme vous avez regardé les cadavres, vous remarquez quand même que, posé sur le tas de cadavres, il y a une petite carte qui est épinglée sur le cadavre. Elle dit exactement la même chose. Félicitations, vous pouvez faire connaissance avec le clan Valentino. On sent qu'ils cherchent à faire des économies en cartes, quand même. Hein. J'aime le style. C'est pas faux. Non mais le truc c'est que de toute façon on va pas pouvoir à un moment remplir notre mission demandée. On va essayer de fouiller, on va essayer de regarder s'il n'y a pas une pierre qui traîne là-dedans. Si c'est que Valentina, bah on essaiera de trouver le clan Valentina et on leur fera comprendre que de garder une gemme de Nurgle, c'est la pire idée qui soit. Bon. Bah, cependant, ils ne pas avoir des gens derrière eux, peut-être. Moi, je suis pour aller vers le sud, là, de cette pièce. Bah, de toute façon, tu veux aller où, ailleurs donc... Bah, t'as le sud de l'autre pièce. Allez, on va au sud de cette petite pièce, allez, d'où ? Le sud ? Alors, ce que vous repérez aussi sur les cadavres, c'est que. Ils ont été. Again. Et clairement, il n'y a plus rien d'utilisable dans la pièce. De toute façon, de pièce en pièce, ils vont être de plus en plus lents, puisque leur encombre va monter. Alors, donc, vous pénétrez dans la question. Ce que je remarque, c'est que plus on avance, moins il y a de gens dans les pièces, sur la carte. Il y a un peu de ça, en fait, ouais, c'est... tellement ça. Oh, pardon. Donc, vous arrivez dans une pièce, il y a des torches qui sont déposées sur les murs ouest et est de la pièce. Voilà. Mais celles-ci sont presque entièrement consumées. Et la pièce plutôt obscure. Sauf que votre torche dissipe cette obscurité. Vous arrivez néanmoins à discerner une douzaine de sacs de grains, des grands coffres, des tonneaux, un quartier de porc salé et 3 cadavres. Voilà. Les sacs sont éventrés, leur contenu est répandu sur le sol. Les coffres sont forcés et vidés entièrement, l'un des tonneaux est brisé en morceaux. Et mon loot ! Chercher quelque chose, peut-être. Pour aller, manifestement, quelqu'un s'est soulagé dessus. Ah, il s'est soulagé sur ton loot. Ah ! Dégueulasse. Bon, je suppose qu'il reste plus rien à piller, hein. Alors, attends, Béatrix est encore dans la pièce marquée 3, c'est normal ? Oui, non, c'est pas normal. Pardon, elle arrive. Elle va même 40 heures. On va lui faire la réflexion. Ouais, histoire qu'elle se fasse sauter dessus par je sais pas quoi. Bref. Ah, le Balrog, il est caché. Ah oui, le Balrog. Tous les cadavres. Caché. Non, désolé, j'ai pris pour un Balrog ou une règle des écureuils. Non !
Eh ben dis donc. Alors. Hein ? 212. C'est gentil, alors, ça. Alors. Bah oui, c'est pas gentil. C'est juste que j'ai la flemme de tirer autre chose. Alors. Que j'avais tiré. Sep et Dental. Vous apercevez que finalement, le cadavre du milieu, il a l'air de bouger légèrement. D'ailleurs, tellement légèrement, il est en train de lever son arbalète en direction de Crani, qui ne l'a pas repéré. Attends, j'attends d'attraper son arbalète. Attends, deux secondes. Attends, toi, ça te fait rien du tout. Ça va te faire mal, par c'est contre, tout. Si tu as sixième sens, tu peux me le dire. J'ai sixième sens. Non, j'ai chance. Mais j'ai pas sixième sens. T'as pas sixième sens. Et de toute façon, je ne crois pas que qui que ce soit l'est dans le groupe. Est-ce que j'ai le temps d'attraper le... Tu es un peu loin. J'ai le temps de tirer. Moi, sinon, je gueule Kranich à terre. Hein. Si j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre, c'est... D'accord. Ah, donc c'est une action. Kranich à terre. Oh, mais de toute façon... La difficulté ça, est relativement normale à cette distance, y'a pas de soucis. Bah, du coup, j'ai fait 38. D'accord, 38, tu le touches. Donc, c'est un succès. Voilà, tu le touches à la jambe. 83, voilà. Tu vois quand même que... Ah, bah attends. Tu me fais quand même ton jet de dégâts, vas-y. Je vais te lâcher, on va pas pouvoir lui parler. On va utiliser la table d'écho critique. La fameuse table d'écho critique. 6 points de dégâts. Ouais. Alors, voyons voir. Il a 3 en endurance. Donc, il se prend un critique à 3. Ah, tu me lances un décent, s'il te plaît. Donc, c'est pas pour ma gueule, tu vois, les... Il va prendre cher, je pense, mais un petit peu quand même. Mais, Trop vieille, cher. Alors, attends, je suis sur la bonne fenêtre. 27. Alors, 27, un critique 3. 8. Il va le sortir. Ah bah, ouais. Hein. Oui, bon, ta flèche transperce sa jambe, qui n'est plus qu'une masse de viande inutile. T'as encore perdu une flèche. Non. Bah non, il y a la jambe attachée. je vais la suivre à la trace, on va dire la flèche. Toi qu'il est en train de saigner gros bouillon, ce qui est assez remarquable parce qu'il avait l'air déjà presque mort, le gars. Oui, mais du coup, il a peut-être des malus pour tirer. Ah non, mais il arrive pas à tirer, je te rassure. Hein. D'accord. Merci. Je le désarme et j'essaie de lui sauver la vie. Quand tu t'y prends. Je sais pas. Je demande à... Attends, je regarde Béatrix. En tant que qu'adepte, t'as des talents de guérisseur un peu. Tu veux pas aider là? Non, nous on est plus. On a plus des talents du style bourreau avec la corde et la hache, okay. Tu vois. Mais ok, j'essaie de. Bah, de moi je peux lui faire des soins. Ah bah vas-y, si tu veux le soigner. Bah oui. Alors, mais il me semblait que Béatrix, tu savais soigner toi. T'as pas soin toi? Ah si, t'as soin. Moi? Bah oui. Ouais, t'as 29%. Oh oui, mais c'est pas grand-chose. Moi, je le martèle, le mec, est cette putain de gemme. Je pense qu'il va pas... Mais si, allez, je vais essayer. Alors, qui essaie de le sauver? C'est sur quel carac, soin? Intelligence? Intelligence. Eh, ça peut peut-être passer, ça. J'ai soin des animaux, ça marche? Non. Ça passe. De toute façon, c'est bien ce que je disais. Ça passe. Ouais. Tu t'aperçois que t'arrives à le stabiliser aux portes de la mort, le garçon. Il a perdu connaissance. Ah. Mais non. Réveille-le. Alors, clairement, avec ton jet, t'aperçois que le gars est en blessure. Est en blessure kick, hein, clairement. Ta flèche ne lui a pas fait du bien. Et là, il vient de s'évanouir. Il a juste victime d'une très grosse hémorragie. Je pense que tu l'as sauvé sur le fil du rasoir. On peut lui faire boire ou manger un truc, le forcer un peu à... Histoire de peut-être lui redonner... T'as l'impression qu'il en a pour deux ou trois jours.
Ouais. Bon, on attend 2-3 jours, il pourra parler. Ouais, mais sauf qu'on n'a pas le temps. Ah bah... Le temps n'a pas d'importance, seule la vie est importante. Oh, punaise. Je hais les elfes. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire qu'on hait les elfes? Pas faux. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, voilà, next. Non, je dis ça, mais c'est parce que tu regardes là, ce grain là. Si on en met un peu dans une préparation, puis je commence juste pour l'emmerder à parler de... Non, 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 non. Ah bah, il a cherché. Mais voilà, c'est... Non, mais... Là, en fait, c'est soit on emmène le mec qu'il soit soigné et qu'on puisse le questionner plus rapidement, mais ça va pas être discret. Non, mais de toute façon, on continue de regarder ce qu'il y a dans le coin et... De toute façon, on peut repasser après pour le prendre, parce que... Je vais ramasser ma flèche. Où il est... où il est soignable, où il va crever rapidement. Alors, le diagnostic est assez facile à faire. Il va perdre... Ça, quand on sait pas, on range ses affaires. On avance ? Il était méchant, ouais. Hein. Je dis pas rien, il était méchant. Bah, il a essayé de me tuer, hein, donc... Je lui prends son arbalète et est-ce qu'il a des carreaux je récupère. Il y en a qu'un seul. Ok. Et il y a bien une arbalète. Oui, 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 il y a un carreau, une arbalète. L'arbalète est chargée. Ok, bah je récupère. Je demande aux autres. Il y en a un qui s'est tiré dehors de. Celui qui a un arc. J'ai pas compétence pour utiliser les arbalètes. Techniquement, tout le monde sait utiliser une arbalète. Il n'y a que les arbalètes lourdes et les arbalètes de poing qui nécessitent une compétence. L'arbalète normale, tout le monde sait s'en servir. Justement, c'est le gros avantage de ces armes, c'est que à partir du moment où vous expliquez comment recharger, comment l'utiliser, le carreau sort par ce bout-là, voilà. Même les imbéciles peuvent les utiliser. C'est d'ailleurs l'arme de dotation de base des arbalétriers de l'Empereur. Donc voilà, c'est il n'y a pas besoin de beaucoup de formation pour savoir s'en servir. Après, bien savoir s'en servir bien, c'est une autre question. En gros, hors roleplay, vous avez combien en CT, quoi ? Le problème, c'était... Capacité de tir... Alors, je sais. Déjà, pour commencer... C'est pour ça que je demande. Le mec qui a une halbarde pour tirer à l'arbalète, c'est pas c'est pas génial. Ouais. Voilà. Moi, j'ai 38... Ok, tiens, je te file l'arbalète et le carreau. Ça m'évitera de tirer sur quelqu'un. J'ai 56, hein, mais bon. Mais toi, t'as déjà un arc. Et toi, t'as plus d'une flèche. Certes, mais... Je le fouille, le gars au sol, s'il a pas d'autres armes, genre couteau caché, une connerie. Alors, effectivement, il a une dague dans sa botte. Bottes qui sont pas en meilleur état que les tiennes. Lui, c'est un Valentina, probablement. On est d'accord. Pas forcément. Je sais pas, moi j'en sais rien. Bah, il a une arbalète dans la main. Je donne la dague à Kranich en attendant qu'il ait une épée à la place. Ouais, ce sera. En tout cas, lui n'avait pas de petits mots épinglés sur le ventre. Oui. Ouais, mais lui, il a pas été dépouillé vu qu'il a sorti une arbalète et une dague. Bah, c'est ouais. Les mecs, ils doivent pas être loin s'ils sont dans le. S'il y a quelque chose. Oui, oui. Et ils ont pas eu le temps de faire un petit tas. Non. Ou alors ils ont été... Je pense plus qu'ils ont été dérangés. Par une pierre. Ouais. Caillou. Que faites-vous ? On va continuer à avancer, ouais. Ouais. Du coup, je reprends ma position qui est derrière. Et je fais attention que rien ne nous arrive de 5 ou de 3, quoi. Enfin, par le couloir 5-3, quoi. Et puis... Bon. Mais pourquoi tu veux pas descendre aussi? Ah non, il y a encore un truc. Ce sud-là. Ce sud-là, oui, bon, bah. Hop. Donc. Shift ton recul. Enfin, je vais plus rien voir, moi. Après, un long couloir. Bah, tu peux zoomer après de. Sur la position, tu peux l'attraper. Et tu ignores ce qui est au nord. Ah oui, oui, ok. Hop. Bon, alors un coup d'albarde sur le corps qui est sur ma droite. Hein, juste au cas où. Non, parce qu'il y a un point noir, c'est ça ? Qui est sur ma droite. Alors,
Tu rentres dans une petite salle qui semble être dans un état similaire au précédent, en fait. Il y a des débris épars un peu partout, il y a du sang, et c'est jonché. Donc là où c'est jonché de cadavres, c'est le gros point noir qui est marqué en gauche, là. Là, un table. Ah mince. On a évité la pièce 4, en fait. Ouais, ça mange pas de pain, on a dû jeter un coup d'œil, hein, évidemment, mais... Comment vous savez que c'est la pièce 4 ? Parce qu'on est intelligent. C'est ma déesse qui... Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas The Lost Room ? Parce qu'il n'y a pas de... Je chope la clé et je me casse avec. Et du coup, en face, là, il y a quoi ? Au fond de la salle ? Où on arrive ? Une porte. The Void. Ah. Elle a été fracassée la porte ou elle est intacte ? Elle est fermée. Bah okay. On a un habitué des portes, c'est ça. Donc, tu vois qu'elle est fermée, mais elle a un verrou à l'intérieur, mais celui-ci. Ah, bah je regarde l'elfe. Moi je sors pas les verrous, moi. T'es un tireur d'élite, tu tires que les élites. Ouais. Ça y est. C'est parti. Oh oh oh. Bon. Si tu veux, je te nourrirai avec un clown. Hey. Un clown frais ou un clown pas frais ? Oh bah là, avec pour lui, on va commencer avec du clown séché, hein, je pense, parce que ouais. Un frais, il arrivera pas à le digérer, je pense. Ce sera mieux, ce sera mieux pour la. Il va le vomir. Bon. Donc, on avance ou on s'encule ? J'ai pas envie d'avancer. C'est pas la même blague que t'as fait la semaine dernière ? Si, si, mais oui, bon. Exactement. Mais c'est un message, je pense. Bah, y a personne dans le tas de cadavres de la pièce 7. Y a pas, de mec chelou qui bouge avec avec une arbalète genre cachée. Tu t'intéresses ? Voilà, tu t'intéresses un petit peu au cadavre. Tu en trouves 7 et ils ont été pendant dépouillés et il y a une jolie carte de visite posée sur le tas, amoureusement posée en évidence. D'accord. Ne me dis rien, vous avez fait connaissance avec le clan. Alors, félicitations. Vous venez de faire connaissance avec le clan Valentina. A priori, ça a l'air d'être un motif récurrent chez eux. Oui. Ils aiment bien. La porte à clé. Donc tu pousses le verrou. Ouais, je pousse le verrou pour en me disant, on doit retourner en arrière, au moins il n'y a rien qui nous arrivera dans le dos. D'accord, ça va. Je présume que vous retournez en arrière. Bah oui. Bah oui. Ah, les aventuriers, ils sont tellement... Il y a The Lost Room, donc... J'ai remarqué quand même que vous n'aviez pas pris la porte d'en face. C'est marrant, hein. Pourquoi ? Normalement, il fallait qu'on prenne la porte d'en face, on est des aventuriers. Les aventuriers ne prennent jamais la porte d'en face. Oups, c'est mauvais. Comment je fais pour tirer un carré ? Parce que là, t'as pris le carré. J'ai que pris le carré normal. Ouais. Que le tour en fait. C'est pas grave. Ah, magie. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Le boyard de guerre, lui, ne bouge pas. Alors fais gaffe, hein, parce qu'on voit que le cercle avec un train intérieur, c'est Valentina's body maintenant. Oui, bah c'est pas grave. Vous l'aviez deviné. Donc, vous arrivez dans une chambre qui est plongée dans l'obscurité. Mais, c'est dingue, votre torche est spécialement étudiée pour dissiper l'obscurité. Vous voyez que le plancher est couvert de tapis et l'ameublement est de très haute qualité. Le long du mur sud, il y a une bibliothèque en bois massif, la plupart des livres gisent épars sur le sol. Toutes les décorations ont été arrachées des murs et les tiroirs du bureau ont été enlevés et vidés. Il n'y a qu'un seul cadavre dans cette pièce, celui d'un homme entre deux âges, habillé avec recherche. La peau est légèrement hâlée, il a le visage zébré de profondes entailles et il lui manque un bras. L'amputation a été récente C'est une bonne question, merci de l'avoir. T'en as une autre ? Non, a priori, c'est relativement récent, parce que ses vêtements ne sont plus des pour, et
manifestement, le cadavre est là depuis un moment. Ouais, le cadavre est là depuis aussi longtemps que les autres cadavres. Par contre, lui, il a l'air d'être plus richement. Ah ah. Ah ah. Fouille. Bon, bah vas-y, fouille. La pièce, le cadavre, tout. D'accord, ok. Bah bien, écoute, tu me fais un petit jeu. Ah. Donc tout le monde peut faire le jeu de fouille. Bah si vous voulez fouiller, vous me le dites, et vous me dites ce que vous fouillez. Bon, concentré sur le cadavre, que les autres se concentrent sur la salle. Te crains bouger. Non, moi je vais plutôt me concentrer sur où on pourrait foutre une espèce de pierre qu'on voudrait cacher dans cette pièce. Ah, c'est pas faux. Et le résultat est assez intéressant. Moi je vous regarde, alors, je regarde derrière nous, en fait. Il y a de la fouille... Bon, mais c'est raté, fouille. Parce que je n'ai que 15. Ah. Je fasse 16. Ouais, je vais fouiller la pièce aussi, mais je fasse 16. Ouais, la fouille foire souvent. L'acuité visuelle, ça m'a... L'acuité visuelle, c'est pour... T'inquiète pas, balance ton jet, je te dirai après où t'en es. Voilà. 27. Non. Bon, alors, vous fouillez le cadavre, vous ne trouvez rien. Fouillez toute la pièce, manifestement... les gens qui ont fouillé avant vous ont fait la même chose. Systématiquement, ils ont démoli tout ce qu'ils pouvaient cacher quoi que ce soit. Ils cherchaient quelque chose quand même. Ah, a priori. Merci, Captain Obvious. Non mais... Qu'est-ce que tu veux ? Je suis un enquêteur, mais... Alors, je pense que... Bon, on est carnés. Profiter pour... Tant qu'on y est, hein, why not ? Hein ? Ah, bon, ça, tous ces armes gaspillées, hein. Eh ben en fait c'est pas compliqué, on perçoit que ce sont pour la plupart des romans d'aventure, voire des romans à l'eau de rose. What? C'est une chambre féminine? Ça a l'air d'être plutôt une chambre d'homme. Non, c'est des collections Harlequin, c'est au cas où il serait fait enfermer. Et moi je récupère les bouquins. Alors, tu t'aperçois que ceux qui sont pas trop abîmés n'ont généralement aucun intérêt. Sinon, pour le reste, tu t'aperçois que des gens se sont soumis. Décidément, tout ce que tu touches, c'est la merde. Ouais, mais garde, on pourra faire un pistage ADN après. Toujours mauvais jeu. Alors, Cops, bah, c'est lundi soir. Il est bon pour son pistage, hein. ADN ou pas, il veut pister, l'elfe. Moi, j'y file les bouquins pleins de pisse. Hein. Non, merci, ça ira. Enfin, tu sais, j'ai beaucoup pissé sur des arbres aussi, hein, mais... Ah, j'ai déjà vu des chiens retrouver des gens, hein, grâce à leur flair. Que toi, tu peux le faire. Hein. Non. Moi, je suis un archer, moi, tu vois. Bête de concours, tu vois. Bah, on peut retourner à 7, et puis... au bout du couloir, et puis prendre la porte. À ouvrir la porte. Par exemple. Ouais. Ou alors, comme on sait que où sont à peu près le clan Valentina, on embarque le gars qui est cané, qui est à moitié cané qu'à eux, on l'échange contre la gemme. Oh, je pense que un gars chez eux, ça va pas le faire. Ça aurait été un mec bien habillé, oui. Là, je pense qu'il se fout. Je sais pas, du rouillot, hein, j'essaye. Hein. De toute façon, la gemme, elle est pas là, donc c'est eux qui l'ont. On sait où ils sont, on va les chercher, on leur pète la gueule, je sais pas, moi, voilà. On négocie, on n'a rien qu'ils veulent, enfin, pas qu'on ait quelque chose qu'ils veulent en dehors d'informations, mais les informations, c'est ce qu'on doit pas donner. Bah, c'est pas dit qu'ils sont prêts à faire un marchandé pour un de leurs hommes. Non, mais même, je pense pas qu'ils marchanderont pour lui, ils l'ont laissé déjà. Mais bon, on peut toujours, hein. Mais ouais, si vous voulez, on peut continuer, mais après, c'est le réseau, quoi. On risque pas. On va s'y perdre. Et il y a 2-3 cartes, c'est normal. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je veux démasquer, tu me fais un carré noir. Donc c'est t'es pas en mode démasqué ? Ici, je suis en mode démasqué. Change, je remets pas en mode démasqué. On t'a démasqué, Fantomas. On t'a démasqué, Fantomas. Ça y est. Donc, dingue. Ce que j'ai révélé là, c'est la pièce dans laquelle vous étiez précédemment, la pièce marquée 7 sur l'autre plan. Ouais. C'est bien fait. Vous voyez que les cartes communiquent. On voit rien du tout. Alors, pourtant, tout en haut, vous ne voyez pas ? Il n'y a rien. Il y a deux cartes 2, il n'y a rien. Sans si, c'est bon. Pour les deux. C'est bon, j'ai trouvé. Hein. Il faut dézoomer un peu sur la deuxième. Ah oui, oh putain, oui. Ah ouais. Alors, attends. Hop.
Tadam. Voilà, par contre, je suis peut-être un peu gros. Ouais, c'est l'uniforme qui fait ça. Oui, c'est ça. Pardon. Donc, vous retournez à la pièce où vous êtes. La porte est fermée, verrou tiré de l'intérieur. Vous êtes à l'intérieur. On enlève le verrou. Est-ce qu'il y a du sens ? Un petit couloir de 4-5 mètres de long et une... Vas-y, Kranich. Hein ? Ah oui. Passe je... devant. Comment ça, vous me passez devant ? Mais non. Ah, bon, c'est tous un descend, s'il vous plaît. Je reste pas trop près de lui, parce que les portes, c'est des fois piégé. On a le droit de refuser ? Non. Non, mais c'est indécent comme question, en plus. Bon, je me suis fait plaisir. Je crois que l'elfe a repris. Tu viens de faire un critique à Star Trek Phasa, tu peux lancer un D10 en plus à ta compétence. Le 91, c'est le test que tu viens de faire Ouais, Kranich. Kranich, il vient de faire un 91. D'accord, c'est bien 91, ce jeu-là, c'est pas précédemment. Okay, okay. Ou un 91 alors, pour les amis belges. Normalement, tu veux mettre le grand attage. Ah ouais, ça serait bien. Hein. Regarde. Ah non, on va pas devoir payer un eurodateur pour jouer maintenant, ça va pas. Alors, c'est Béatrix Tal, pas Kranich, qui manifestement a l'air de regarder où il met les pieds. Vous vous apercevez que il y a de la lumière qui a l'air de filtrer par la et vous entendez des voix un peu étouffées, mais vous comprenez pas ce que ça dit. Je leur fais signe de la boucler pour l'instant. Pas de bruit. Béatrix, file la grenade flash. Toujours mauvais jeu. Non, mais c'est la sainte grenade demandée, mais on n'est pas passé au temple, j'ai pas pu la prendre. C'est Holy Grenade of Antioch. Exactement. Je murmure à Kranich que s'il veut rentrer, il faut le faire en force et de manière brutale pour effet de surprise. Et on... On sait qui sont ces gens qui les attaquer comme ça ? Non, mais vu tous les morts qu'on a vus, à mon avis, c'est pas des gentils. Je présume que vous parlez à voix basse, là. Ah oui, j'ai dit, je murmure à chaque fois. Oui, d'accord, oui, non, mais... Je préfère le juste... Le problème de TS, si on murmure, c'est pas sûr que vous entendez. Et comment... Oui, je voulais juste m'en assurer, hein. Et juste pour savoir, j'ai le droit de crier « Surprise, motherfucker » ? Après avoir abattu ta hallebarde seulement. D'accord. Bon, ouverture de porte fracassante. Alors, oh putain. Tu arrives sur la porte. S'ils font ça, je dégaine mon épée, moi. Je vais peut-être à l'épée. Pareil, tu approches de la porte. Il dit qu'il va pas, pareil, épée à la main. Hein. Eh oh. Mmh. Tu t'approches de la porte et tu t'aperçois que celle-ci est ornée d'une feuille d'arbre. Voilà. Et Dorntal, toi qui connais les arbres, tu as une feuille de. Les autres sont pas très spécifiques. Un arbre ? Qu'est-ce que c'est ? Un truc avec des feuilles. Ouais. Ah, ça, chez nous on appelle ça un livre en fait. Bah, c'est des dindes. Donc, attends, apparemment, Kranich. Ça a une signification particulière le figuier ou. Bah, voilà, la feuille de figuier. Tu réfléchis et. S'il y a un langage des plantes, tu le connais pas spécialement, toi. Bah, je chuchote et je leur demande, est-ce que ça vous dit que ça veut dire quelque chose, le langage de la feuille de figuier ? Je sais même pas ce que c'est qu'un figuier, on n'a pas ça en Ostermark. C'est pas faux. Alors, vous êtes pas, enfin, à part l'elfe qui s'y connaît un poil plus quand même, vous êtes pas tous des grands spécialistes des arbres, mais a priori le figuier c'est quand même pas l'arbre le plus commun dans ces latitudes, quoi. Ouais.
Dans l'Empire, on peut pas dire que le figuier, ça soit un arbre très répandu. Et c'est pas et le nom des deux autres plans là, ça y a rien à voir avec le nom d'un figuier ou quelque chose. Tu parles quelle langue ? Je parle pas allemand. Hein, donc... Tu parles le Reichspiel. Voilà. Le Reichspiel. Le Reichspiel. Non, Reichspiel. Ouais, oui. Voilà. Bah, comme tout le monde. Reichspiel. Oui, oui, comme tout le monde. Non, mais ça vous dit rien. Voilà. Vous êtes toujours derrière cette porte. Que faites-vous ? Manifestement, les voix derrière ont l'air assez animées. Et parlent une langue que vous... Peut-être quelqu'un. Ça a l'air hostile. Non, personne ne comprend. Comment ? Hostile ? J'en sais rien. Enfin, t'en sais rien. Ouais. Ah, on a dans quelqu'un qui parle allemand, tu dis c'est hostile, tu vois. Et tu sifflotes en même temps. Peut-être qu'ils prendront pas, ils feront pas gaffe. Ah non, clairement, c'est pas du Reich. Hein. Clairement, vous entendrez que c'est une langue, un accent plutôt chantant. Hein. Un accent plutôt chantant. Ouais, on cherche des contrebandiers, potentiellement pas des gens de l'Empire, donc bon. Ouais. Ouais, et puis dans l'Empire, il y a pas pire. Bon, vas-y, ouvre et défonce-les. On te regarde. Si, ouais, ouvre et défonce-les. Alors, la porte, tu peux l'ouvrir en poussant, d'accord ? Et elle s'ouvre, enfin le chambranle de la porte est vers l'est. Donc, juste une question, combien de voix on entend ? C'est une bonne question. Tu me fais un petit test de perception ? J'ai fait 5 à mon jet de perception ! Tu me fais un petit test de perception ? Bâtard. À peu de choses près, tu penses qu'ils sont au moins une vingtaine, mais tu penses que c'est une fourchette basse. Hein. Je peux essayer de voir aussi. Ouais. Tu peux essayer. Parce que là, là, on n'est pas aidé. Ah ouais, mais enfin ça, les elfes physiques. Pour eux, tu sais, tous les humains se ressemblent. Hein. Alors que toi, tu entends bien 3 gars en fait. Ouais. Ouais, bah, je dis, ils sont 3. L'elfe, il a pas l'habitude de Et manifestement, comme ils ont l'air de parler assez fort, manifestement, ils entendent rien de ce qui se passe à côté. Vas-y, Kranik. On compte sur toi, t'es seul. Mmh. Ouais, d'accord. Alors, bon, j'ai droit à mon Surplus of Rocker. Bon, ça va. Je suis pas certain que ce soit vraiment génial, mais bon. Essaye d'en garder un en vie quand même pour l'interroger. Ah bon ? Oh merde. On sache dans quelle merde on s'est fourré en le tuant ces gens-là. Coup de latte, hallebarde en main et. Bon, j'allais te demander comment tu ouvres la porte. Donc, a priori, tu lui donnes un grand coup de pied dedans ? Ouais. À mon avis, je n'aurais pas fait ça non plus. Hein. Moi, à ta place, j'aurais au moins entrouvert la porte pour être sûr que tu donnes pas juste un coup de pied dans la porte et que ça fasse pas. C'est à peu près ça que je voudrais éviter, mais bon. Non, mais après, ils me disent ce qu'il y fait, hein. Mais j'attends. Tant hein. pis. Non, tu décides de taper un grand coup dans la porte. Ok. Donc, tu vas me faire un petit jet de force, s'il te plaît. Oui. Pour rappel. Tu as 31 en force. Ça passe. 25. Alors, la porte n'était pas fermée. La porte n'était pas fermée et elle s'ouvre avec grand fracas. Il y a perte aussi. À l'intérieur, tu vois une pièce éclairée. Il y a des torches mises aux quatre murs. Dans le coin, il y a 3 hommes qui sont manifestement attablés en train de jouer au dé. C'est bon, on peut les tuer. C'est un D10, c'est un D10, hein, c'est ça. Un D10 plus agilité, c'est bien ça. Donc l'elfe. Alors tu peux ajouter le. Mais vous pouvez ajouter votre agilité directement dans le G. C'est plus classe, tu vois. Ah dommage. 42, bah voilà, 42. C'est la réponse. Attends. Moi je regarde, je suis à 43. Alors, vous allez m'annoncer vos résultats. J'ai fait mon plus petit score possible.
Donc, Dormtal, tu as fait 51. Ok. Comme le pastis. J'ai fait 45. Ok. Béatrix. 42. Anish. 43. Non. Et donc. Ah mon dieu, le MJ a rigolé, on est dans la merde. Mes gardes. Oh, pas plus que d'habitude. Magnifiquement fait. 34. Donc, dans l'ordre. Alors, Dormtal est le premier. Sepp vient ensuite. Kranich, Béatrice. Ensuite, mes Gugus. Alors, vous voyez que mes trois Gugus ont l'air prodigieusement surpris de ce qu'il passe. Mais néanmoins, il y en a deux qui tendent la main vers leur arbalète, posée à côté d'eux, et le troisième essaye de se lever pour dégager son épée. Ok, ils sont morts. Alors, Béatrix, que fais-tu? J'avais une arbalète dans les mains avec un carreau d'arbalète, donc je vais tirer. D'accord, tu tires sur. Alors, je vais. Attends, d'abord, c'est l'épreuve sur la. Attends. On annonce, on résout après. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Oui, on y arrive. Alors, Bandit 1. Bandit à 9h. Non, il... j'ai pas l'heure sur moi. Oh, il doit pas être moins de ça quand 11h08, même. Là. Et Bandit 3. Alors, je les passe sur la carte. Ouais. Les gros bandits. Hein. Ouais, bah c'est ça, tu sais, de garder une porte à force, on fait du lard. Hein. Voilà. J'ai envie de chuchoter à l'oreille de Crani. On a un qui a une épée. Béatrix, sur qui décides-tu de tourner? Je sais pas pourquoi j'ai deux fois le bandit d'un. J'ai dû encore faire une connerie. C'est pas grave. Il y a un des bandits 1 qui s'appelle bandit 3, c'est celui du fond. Ok. Sur bandit 1, justement, celui qui est le plus proche et qui a l'air d'être le plus méchant. Celui qui a une arbalète, peut-être. Oui, les deux qui a une arbalète. Exemple, ouais. Pour moi, c'est celui qui est tout devant, celui qui a l'arbalète, non? J'arrive pas à supprimer bandit 1. Si, ça, si, ça y est. Et maintenant, il y a bandit 1 et bandit 2, c'est tout. Oui, mais parce que je l'ai mis, dans le brouillard de guerre. Alors, lequel a une arbalète? Alors, bandit 1, bandit 2, on fait l'arbalète. Bah, bandit 1, alors. D'accord. Bandit 1, c'est celui qui doit presque se retourner. Ouais. Ok. Donc, tu vas tirer sur bandit 1. Exact. Ensuite, Kranich, que fais-tu? Tata Yoyo. Qu'est-ce que t'as sous ton grand chapeau? D'accord. Et donc, précisément, est-ce que c'est une action de combat ou est-ce que c'est ton cri de guerre? Non, c'est une action de combat. Charge. C'est chargé sur Bandit 2. Donc tu charges. Une charge vaut 4 mètres. Ouais, allez, je vais te l'accorder, tu peux charger sur le gars, ouais. C'est bon pour moi. Tu le charges, c'est une action complète. Tu auras plus 10 à ta CC. Ensuite, Sepp, que fais-tu? Est-ce que je peux charger sur le même? Voyons voir. Tentative. Alors, voyons voir. On va regarder. Tu peux le T. Ouais. Mais vous risquez de vous gêner. Le but c'est de pouvoir attaquer la même personne en fait sans qu'on se gêne, en fait on ait des bonus en fait. Si tu veux pas te gêner, suivre ton ami Kranich et au lieu d'attaquer tu poursuis ton mouvement pour encercler Bandit 2 quoi. Bah ça va être ça. D'accord, ok, ça me va. Ça veut dire que Non, tu pourras pas attaquer, enfin tu pourras pas attaquer. Ok. Tu vas te déplacer et te placer de façon à ce que ton petit camarade. Enfin, ne pas gêner ton petit camarade qui n'a pas l'initiative sur toi. Voilà. Ok. Dormtal. Alors, est-ce que je peux aller sur le bandit 1, attaquer et garder une esquive?
Ou est-ce que l'action de déplacement est trop longue? L'action de déplacement sera trop longue. Surtout que tu es derrière, donc tu dois attendre que l'autre ait agi. Donc, clairement, quand tu es à l'initiative mais que tu es derrière, c'est pas top top. Ok. Donc, retarder ton action, c'est une demi-action, en fait, de perdu. En fait. Je vais charger sur le bandit 1 et attaquer. Donc tu vas te déplacer vers bandit 1, mais tu pourras appeler. Ouais. Que je puisse l'attaquer ce tour-ci, quoi. Voilà. Et ce tour suivant, où je ferai des... Le tour suivant, tu ne pourras pas, tu pourras pas l'attaquer le tour suivant. Mais bon, de toute façon, ils ont l'air d'être prodigieusement surpris, ces garçons. Oui. Bon. Tu commences à te faufiler pour passer. Comme tu es un peu gêné par les autres, tu vas légèrement attendre. Ensuite, Sepp va commencer aussi à suivre Kranich. Une fois que Kranich fait sa charge, tu peux la faire donc. Le passage se libère un peu et vous passez. Seulement, comme tu vois, comme Dorpel voit que Béatrix va tirer, il va certainement éviter de passer devant, je présume. Oui, oui. Voilà, donc tu attendras qu'elle ait fini son action pour passer en fait. D'accord. Excellente initiative. Kranich, tu me balances ton attaque, s'il te plaît. Je me souviens combien tu as en CC. Oui. Et bah, c'est raté. Fortune. Ah ouais, tiens, ouais, fortune. Et bah, c'est toujours raté. D'accord. Tu charges, mais tu vois que ta charge n'a rien donné. Que tu as touché la main droite de Chouba. Alors, après avoir fait des statistiques, je tiens à préciser que le Sieur Chouba n'a pas plus de malchance que les autres. C'est juste qu'il voit plus ses échecs que ses succès. Bon, suite. Béatrix, tu épaules, tire. Ouais, et donc un petit coup. Ok, d'accord. Oh, j'ai bien fait de te filer les arbalètes. C'est de la merdasse. Point de fortune, non, Oda? Ouais, allez, fortune, on sait jamais. Ça serait con de replanter sur le truc. Allez, on va pas rester sur un échec dès le début comme ça. On va en faire un deuxième. Ça reste toujours un échec. Mais en tout cas, alors, tu vois que ton carreau ne passe pas loin de la tête du bandit, qui du coup se penche par rêve. Voilà. Et il se fait un torticolis. Donc, vous voyez que, enfin, il agisse, focus. Et donc, il commence à mettre la main sur l'arbalète, bandit 1 et 2, et bandit 3 est en train d'essayer de dégager son épée bien maladroitement. Vous avez de nouveau l'initiative. Donc, les bandits... Alors, le premier, comme il est attaqué par une hallebarde et qu'il a une arbalète à la main, il va essayer de parer. Enfin, donc, il se met en défense pour parer cette coup de hallebarde qui a l'air très, 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 très dangereuse. Ah bah oui, c'est celui qui la manie. Comme Bandit 2 voit un gars... bizarre et de le charger, il décide de faire la même action. Un passé défensive. Bandit 3 décide de renverser la table et de dégainer son épée. Voilà, ce sont leurs actions. Ah, c'est lui qui perdait la partie de cartes. Que fait Béatrix? Tu as une arbalète en main, elle est vide. Elle est vide, ben je laisse tomber l'arbalète pour dégainer mon épée. D'accord, dégainer. Alors laissez tomber ton arbalète, c'est une action automatique, y a pas de problème. Dégainer ton arme, c'est une demi-action, donc on peut encore faire quelque chose. Je vais. Est-ce que je peux passer vis-à-vis de. Ouais, je vais essayer de me mettre là. Donc tu vas te mettre en position pour soutenir Dantel. Tout à fait. Top. Sepp. Pas Sepp, Kranich. D'accord. J'ai droit à une. Non, j'ai pas droit de me préparer
Alors, tu vois que le gars, en fait, se met en posture défensive avec son arbalète. Hein. Donc, clairement, il attaquera pas ce round-ci. Donc, c'est à toi de voir ce que faire. Tu peux faire une attaque... tu peux faire une attaque standard. Donc, là, tu fais une attaque, c'est une demi-action, tu peux faire quelque chose d'autre. Tu peux faire une attaque brutale, une action complète, qui donne plus 20 à la CC, mais tu ne fais ni parade, ni esquive. Ou tu peux faire une attaque prudente. Te permet de faire des parades et des disques et un bonus, mais t'as moins 10 à la CC. Pour trouver des billes, tu peux faire un cours précis. Alors, tu peux le faire, mais je rappelle que cibler est une action qui donne un malus. Mmh. Et donc, si tu veux le tenter, tu peux le faire. Okay. Mais Non, mais du coup, je vais plutôt faire un coup puissant, alors. D'accord, une attaque brutale, quoi. Bah, c'est marqué coup puissant dans mes talents. Alors, coup puissant dans tes talents, c'est un talent qui permet d'augmenter tes dégâts. C'est... Je t'ai donné tes options. Je t'ai donné tes options. D'accord, bon, ouais, je vais faire une attaque brutale. Alors, sinon, tu peux essayer de, repousser ton adversaire. Non, je vais faire une attaque brutale, et coup puissant, ça m'augmente juste mes dégâts. Ok, d'accord. C'est assez passif. D'accord. Ensuite, Sepp. Alors, question, en gros, Bandit 3, il est pas à portée, il peut pas m'attaquer sur ce tour-ci. C'est bien, il fait autre chose. Il dégaine son... Enfin, il retourne la table et dégaine son épaule. Okay. Ça va lui prendre ce qui s'occupe. Et l'autre, il part. Il se met en position défensive. Donc, attaque brutale aussi sur le sur Bandit machin. Celui qui a d'accord, ok. Avec Kranich. En gros, mon ami, en attaquant comme une brute dessus sur l'autre aussi. Ensuite, ouais. Dantal. Tu as Béatrix qui... Ouais. Si elle n'attaque pas véritablement ton adversaire, il est gêné entre la table renversée et... un deuxième adversaire qui vient sur lui, tu auras un bonus. Ouais. Lui, il est en défense aussi avec son arbalète. Il est en posture défensive aussi avec son arbalète. Ok. Ouais, de toute façon, je vais l'attaquer. Tu l'attaques comme Brutal, ça donne un bonus, c'est ça? Plus 20% de la CC, mais tu peux ni esquiver ni parer. Ouais, bah en même temps, pour ce tour-ci, je peux me le permettre, quoi. C'est bien tant ça. Tant que 3 est pas là, je peux le faire, quoi. Donc, c'est bien ça. C'est ce que je vais faire. Ouais. D'accord. Donc, tous ceux qui attaquent brutalement annulent le malus imposé par la posture défensive des autres. Et vous pouvez faire tous vos attaques avec plus 10%. Alors, eh ben Dantal, c'est toi qui commence le premier. Ouvre le feu. Paf. Ah bah voilà, paf. Alors du coup... Est-ce que ça passe? Parce que j'ai un plus 10 en bonus parce que voilà. Et après, tu m'as dit que j'avais un bonus supplémentaire parce qu'il y avait Béatrix et qu'il y avait la table qui était retournée. Non, en fait, tu as plus 20%, mais il est annulé par la posture défensive de son adversaire. La posture défensive, ça donne moins 20% à la CC de l'adversaire. Donc, tu as plus 20, moins 20, donc ça s'annule. Et donc, tu as juste un bonus de 10%, donc tu as 44%. D'accord, ça a raté. Contre un point de fortune, tu peux transformer ce succès, enfin cet échec en succès. Parce que avec un point de fortune, je vous le rappelle, tu peux aussi ajuster de plus ou moins 10%. Ah ouais? Ah bah oui, ça alors, oui, ça vaut le coup ça. Donc un petit point de fortune, voilà. Là, je le rappelle parce que c'est une règle qui n'est pas marquée sur la feuille, mais que je vous avais précisé, on peut avoir un ajustement de plus ou moins 10% sur un jet avec un point de fortune. Voilà. Du coup. Petite règle maison. Du coup, je fais dans le bras droit. C'est ça? Alors, tu as fait. Alors, attends, parce que je suis sur la bonne fenêtre. Tu as fait 52. 52, on l'inverse. Ça fait 25. C'est bien ça. C'est bien le bras droit. On est bien. J'adore mes jets de dommages. Il porte une veste de cuir, donc ils sont protégés sur le bras et le. Donc tu fais 5 dégâts. Eh ben écoute, c'est bien. Tu as blessé ton adversaire au bras droit. Ça n'a pas l'air de l'avoir dérangé. Ouais, je me doute. Voilà, sachant que de toute façon, quoi qu'il arrive, vos adversaires se prennent systématiquement au moins un point de dégâts, même s'ils arrivent à réduire. Donc,
tu as attaqué Bandit 1. C'est Bandit. Ça. Voilà, ok. Tu l'as fait une petite étincelle sur le bras, rien de bien méchant. Ensuite, Seb, tu attaques brutalement ton adversaire. Tu annules son... enfin, tu annules le malus que t'as mis à ta CC, tu gagnes 10%. Ouais, bah je... Mais pas suffisant. Un point de fortune pour relancer. Hein. D'accord, il t'en reste encore beaucoup ? Bah c'est le dernier. D'accord, non mais... C'est joli. Ah non, excuse-moi, non, dans la tête. Touche. Il en reste un. Ah ouais. Dans la tête en plus. 11. Je retourne, ça fait 11. Tu le touches à la tête. Vas-y. Salouette. Il n'est pas... Je lance un dé quoi là ? Un dé 10 pour les dégâts. Tu rajoutes ton BF. Bonus de feu. Ça va être 2-3 a priori. C'est 3 ou 4. Ça va, 10. Il fait 10 points de dégâts. À la tête. Ça va lui piquer sa race. Tu sens qu'il a sans passer. Quel but, hein. Voilà. Clairement, ça picote. Ensuite, paf le chien. Ouais. Bon, c'est rond. Bon. C'est ton dernier. Non. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Ah, c'est mieux ça. 17, tu le touches. Tu retournes 71, c'est le corps. Je crois. Hein. Je me souviens. Attends, je te dis ça. Ouais, il est à la hallebarde là. C'est bien ça. Ça... Ouais. Tu es à... Alors, tu es c'est à la hallebarde. Ta hallebarde, c'est une arme qui est lente et percutante. Il n'essaye pas de te parer, c'est mis en position défensive. Donc, il n'essaye pas de parer, il n'y a pas de malus. Elle est percutante. Tu balances 2 des 10, tu prends le meilleur. Ça, c'est bien ça. 8 plus 3, ouais. 11. Tu peux faire 11. 2 des 10 qu'à 1 plus 3. Ah oui, c'est vrai. Bon, nul. Désolé. Donc, tu l'avais touché 71 dans le corps. Tu vas me balancer un décent, s'il te plaît. C'est un décent. Ça sent l'échec critique, enfin le dommage critique, quoi. Ça sent la blessure critique. Ouais. 93. Alors, 93, c'est dommage. Tu vas le raser, là. Je pense qu'il y a de mieux, mais c'est déjà pas si mal. Donc, coup critique au corps. Ton coup de hallebarde fend l'air, percute ton adversaire au niveau de son sternum, causant au passage une grave hémorragie interne. Ton adversaire est sans défense, et tu sens que il n'en a plus pour très longtemps si vous n'arrêtez pas cette immense gerbe de sang qui est en train de sortir de sa poitrine. Oh bah tant pis. On peut dire que je prends 2 et séché. Dans ces cas-là, on peut dire que ça a barré. Alors, merci pour ce blanc. On remercie ton humour. Oui, pour lui. Ça a albardé pour lui, oui. Bon. Matrix, tu te portes en soutien de ton camarade, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, Bandit 1 se dit que son arbalète lui a sauvé la vie, mais que et son épée, ce sera mieux. Donc, il va lâcher son arbalète, dégainer son épée et. Préparer une défense. Bandit 3, lui, a réussi à sortir son épée et il va attaquer notre ami Sepp, qui a débordé et qui est presque à portée de lui. Seulement, il est un peu gêné par la table, donc il va être son action va être beaucoup moins flagrante que ce qu'il voulait. Voilà, voilà, ça, ce sont des bandits. Matrix, que fais-tu ? Moi, je suis toujours en protection de Dental, donc si quelque attaque. Chose... Tu veux que j'attaque ? Bah, attaque, oui. Parce qu'à deux, on sera plus efficace. Ok, bah j'attaque. C'est parti. Surtout que toi, t'arriveras à l'attaquer avant qu'il se soit débarrassé de son arbalète. Hein. Enfin, qu'il est avant qu'il ait pu sortir son épée. Ok, bon, bah je fais mon jet d'attaque. D'accord. Enfin, non, attends. Donc tu annonces que tu attaques. Voilà. Tu attaques comment ? Avec l'épée que j'avais dégainée. Non mais d'accord, tu attaques comment ? Est-ce que tu attaques normalement, tu te prépares une défense ? Tu attaques brutalement, tu attaques prudemment ? J'attaque normalement. Et je ne prépare pas de défense parce que je pense qu'il est déjà assez... Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais de ta dernière demi-action ? Je peux initier une défense juste après mon attaque pour parler oui, tu peux préparer une attaque et une parade. Bah c'est ce que je vais faire alors. Non, sachant que personne ne va t'attaquer, hein, tu le vois très bien. Hein. Oui, mais on sait jamais. Mais du coup,
ce qu'il veut dire, c'est que tu peux faire une attaque brutale pour avoir des bonus. Et au tour suivant, là, tu feras attention de faire une défense aussi, parce qu'il pourrait t'attaquer. Bien sûr. Là, ce qui va se passer, c'est quand ton action va se dérouler, après, il va dégainer son épée. Après ton action. Ok, bah t'as, donc profitons de l'avantage, je vais faire une attaque brutale. Comme ça, je claque. D'accord, tout parce qu'en fait, quand je t'ai dit qu'il préparait une défense, de toute façon, il vous attaquera pas. Ok. Ah. D'accord, donc tu l'attaques brutalement, ça me va. Ensuite, Kranich. Réveille du Kranich. Kranich, que fais-tu ? L'adversaire est au sol. Je vais attaquer normalement Bandit 3, mais avant ça, je vais l'attaquer. Alors, d'accord. Je dis tout de suite mon intimidation, okay. Ce que je lui dis ? Non, tu me le diras au moment où tu veux le faire, mais enfin, donc tu lui lances une invecte, quoi, c'est ça. Et avant de le taper, je vais l'intimider. Si l'intimidation donne rien. Oui, non, mais. Tu vas juste l'invectiver. Hein ? Tu vas juste l'invectiver. C'est ça. Tu fais. Le truc, c'est que. Comment tu l'intimides ? J'ai la compétence. Oui, c'est ça, compétence. D'accord. Je te demande comment l'intimidation. Non mais tu vas lui dire, tu vas lui balancer un long discours, tu vas lui balancer trois mots, tu vas faire un moulinet avec ton arme, voilà, je veux juste savoir comment tu t'y prends pour le. Je vais le menacer avec mon arme et en lui disant non, rends-toi. D'accord, ok, oui, donc voilà, donc tu ne vas pas attaquer quoi. D'usage. Donc ok. Et donc tu vas lui faire comprendre que. Enfin tu vas le mettre en garde avec ton arme, le menacer et lui dire se rendre. Ok, ça me va. Donc ça c'est Bandit 3, hein, celui qui est en train qui veut attaquer ton copain. D'accord. Ok. Et donc du coup, Sep, que fais-tu ? Attaque parade. Dental ? Attaque brutale sur Bandit. Hein. D'accord, ça me barre. Ouais, ah, brutale. Alors, vas-y. Ouvre le feu. Légende. Brutale, légende. J'ai raté. Je vais faire un petit point de fortune, allez. On va être cordial. Ça doit peut-être t'en as que toi, il me semble. Hein. Oui, j'en ai plus là. Ouais. Ouais. Okay. Du coup, ça doit passer ça, avec les bonus que j'ai d'attaque brutale, etc. Non oui, là ça passe simplement. Attends, ça passe, mais attends, il a le droit quand même à sa petite parade. T'as un 5 de 10, ouais. Je me suis dit, putain, il est chanceux, hein. Ça passe pas. Il a peut-être un point de fortune, voilà. Alors, les points de fortune, c'est réservé aux héros. Ah, d'accord. Ou aux gars très chanceux dans la campagne. Et 0. Donc, tu vois qu'il essaye de parer ton coup bien maladroitement, ton coup qui va l'atteindre dans un bras. Toujours le même. Mmh, le bras droit d'ailleurs, oui. Il a un problème avec les bras. Hein. Oui. Il est fait 9. Ça fait déjà un peu plus que tout à l'heure. C'est déjà un peu plus que tout à l'heure. Tu vois qu'il est toujours, malgré tout, assez vaillant, le garçon. Ouais. Ensuite, mais du coup, Béatrix, va le finir. Step. Attaque. Comment ? Attaque. Oui, non, mais justement. Raté. Alors, ça dépend. T'as combien ? J'ai 29 en CC. Ah oui, non, c'est raté. Voilà, je veux dire, on se rend à l'évidence en ce moment. Non. C'est pas parce que je peux avoir quelques bonus que... Voilà. Voilà, ok. Bon. Avec une attaque brutale, on a parlé, hein. Oui, mais c'était pas brutal, parce que... attaqué autour de ce tour. Non mais... Parade. Ensuite, Kish. Tu essayes de le maintenir, enfin tu le menaces de ta hallebarde et tu lui dis de se rendre. Oui. Tu le dis dans quelle langue ? Ah merde, c'est vrai, il comprenait. On comprenait déjà pas ce qu'il disait, alors est-ce qu'il va me comprendre ? Oui, non, mais... Bah je lui dis. Alors je te demande juste dans quelle langue tu le dis ? Bah la mienne, puisque de toute façon je suis en pécune. D'accord. Donc tu me fais ton test d'intimidation s'il te plaît. 31%, attention hein. Alors, non, attends, très honnêtement, tu as une hallebarde entre les mains. Oui. D'accord. Le gars voit que tu es vraiment décidé à l'utiliser. Donc clairement, il est intimidé. D'accord. Le seul problème, c'est qu'il a pas compris ce que tu lui as dit.
Il a pas compris ? Ouais. Manifestement, il a pas compris. Voilà. Donc, il est intimidé, il n'y a pas de souci. Bah, je le tiens, Matrix, je le tiens en... que fais-tu ? Bah, moi, c'était une attaque brutale, donc j'attaque brutalement. Vas-y. Brutalise-lui la tête. C'est brutalement raté. Point de fortune. Ouais, je pense que je vais claquer mon deuxième point de fortune, parce que là, franchement, c'est pas sympa. Alors, vous savez quand même que la nuit est encore longue. Hein. Oui, je sais. Et que vos points de fortune ne se régénèrent qu'à l'aube. Nous sommes justement. Ah, okay. C'est nettement mieux, ça. 81. Tu le touches à la jambe. Il n'a pas de protection. Il n'a plus de jambe. Bah, on verra. Fais-lui des dégâts. Ouais, vas-y, fais-lui des dégâts. Il y a toujours ça. Mon épée, c'est combien? Tant que je regarde dans ma... Plus 3. Plus ton BF. Alors, ça dépend. Est-ce qu'elle a assez en force? BF, oui. Ouais, mon BF. Mon BF est combien? 3. D'accord. Bah c'est... 10 plus 3. Ouais, donc... Donc, fais un bon chiffre avec mon 10 et puis on est bien. Genre ça? Voilà. 10 en tout, ça tu va. Tu fais 10 points de dégâts. Il a pas de protection, ça va piquer un peu quand même. Alors, tu vois que ton adversaire est quand même grièvement blessé. Je vois certainement ça par rapport à la fémorale qui doit pisser partout. Alors, dans le même temps... C'est quel type de fée, ça, la fémorale? La gerbe de sang finit par avoir raison de Bandit 2. Il vient de passer... Bandit 1 a maintenant une épée à la main, il est prêt à en découdre, mais il se sent vraiment pas bien. Bandit 3 essaye d'attaquer, seulement intimidé par la hallebarde et gêné par la table. Son attaque manque singulièrement de style. Oui. D'autant plus raté que il se vôtre proprement dans la table. En fait, fait que son coup passe à côté de toi. Il n'est pas à terre, mais clairement, la table lui a fait un croche-pied. Son cri de guerre, c'est à table. Et il pousse un magnifique merde. Ah, ça, j'ai compris. Donc, Bandit 3 décide de tenter le tout pour le tout et attaque brutalement Sepp pour essayer de se frayer un chemin. Tac, 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 tac. Bandit 1 essaye de se désengager, seulement il s'aperçoit que il est pris en tenaille. Et donc, il décide de tenter le tout pour le tout en se défendant comme un beau diable. Enfin, il faut qu'il se relève, hein. Non, le 1, il est encore debout. Le 1 est debout et le tien, il est pas partout, hein. Il s'est juste pris les pieds dans la table. Donc lui, il va te charger pour essayer de libérer le passage. Voilà. Béatrix, fais-tu ? Il est dans un sale état. Il tient à peine debout. Ouais, je pense que c'est même pas la peine de me mettre en défense pour quoi que ce soit d'autre. Je vais essayer de faire comme... Il a dit qu'il attaquait comme un beau diable. Non, il se défendait comme un beau diable. Il se défendait comme un beau diable, mais il attaque pas justement. Il s'est mis en posture défensive. Je vais faire comme Kranich, en fait. Je vais lui ordonner, l'intimer, le... De lâcher son arbre et de se rendre. D'accord. Kranich, cul. Bon, bah, je continue mes menaces, mais... disons que, clairement, clairement, tu vois, je vais mettre clairement mon hallebarde entre lui et Sepp, et pour limite le repousser, mais sans lui faire mal avec la hallebarde. Ça s'appelle une manœuvre. Clairement, c'est un test de cesser opposé. Si tu le réussis, tu le fais reculer. Voilà. Donc clairement, il n'attaquera pas. C'est une demi-action et t'auras un bonus peut-être une hallebarde et devenir quelqu'un en respect avec une hallebarde, c'est beaucoup plus facile qu'avec. Ok. Donc ça, c'est une demi-action et tu lui dis de se rendre. Ça se fait ou un truc du genre. Ouais, je réessaye.
quoi. Mais rends-toi, okay. Espèce de crétin. Voilà. Okay. Donc, Sep. Posture défensive, vu que il va me charger, donc posture défensive. D'accord. Tu ne fais pas confiance à la parade de Kranich. C'est pas une question de confiance, c'est que s'il va me charger, posture défensive. Ça me va. Et en même temps, comme ça, je suis sûr de pas le gêner dans son mouvement aussi. Ça me va. Dental. Je pourris la tronche en bandit. D'accord, ok. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Attaque brutale du coup, parce que s'il défend tout son tour, j'en ai pas besoin. Quoi. Bah oui. J'ai bien compris. Quand tu as dit pourri, j'ai compris que. Bon, je rate, mais c'est pas grave. D'accord. Bon. A priori, ta défense était efficace. Ensuite, Sep, tu t'es mis en défense, y a pas de souci. Kranich, ton adversaire essaye de charger, tu essaies de repousser. Tu me fais un test de CC, s'il te plaît. Tu as plus 10%. Et réussi. Alors. Oh putain! Alors attends. Donc c'est un test de CC opposé. Donc on va regarder combien. Quelle est ta marge? Et à mon avis, avec ton bonus de 10%, quoi qu'il arrive, de toute façon, t'as une meilleure marge que lui. Donc, j'ai réussi à le repousser. À ouais, clairement, t'as une meilleure marge que lui. Alors en fait, la marge, c'est par tranche de 10. Mais. Les cheveux bleus? Pourquoi les cheveux bleus? Marge. D'accord. Non, c'est pas ça. Oh la vache. Et c'est moi qui mangeais un coup qui n'était pas frais. J'ai encore pillé des neurones. Globalement, il a à peu près les mêmes stats de combat que toi. Mais par contre, comme t'as ton plus 10% à cause de ta hallebarde, tu as finalement un meilleur ratio que lui, donc tu arrives à le repousser. Il ne va pas attaquer ton ami. T'as vu, tu voulais l'intimider ? Vas-y, recommence. Voilà. Ça répond à ta question. Et puis comme il comprend pas, de toute façon, voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Béatrix. Donc je l'intimidais, ce brave garçon. Enfin, je tentais. Lequel? Ah, le. Bon. Alors, t'as combien d'intimidation? J'ai 16 en intimidation, donc à mon avis, je pense qu'il ne comprend rien du tout. Alors, clairement, t'es pas très intimidante. Par contre, tu l'as dit de se rendre, hein, c'est bien ça. Ouais. Rends-toi. Okay. Il a pas l'air de bien comprendre ce que tu dis, le pauvre garçon. Et il comprend surtout qu'il est mal en point. Bon. Et tu avais décidé de faire autre chose et oublié? Non, c'est tout, je faisais que d'accord, ça normalement. Okay. Bah, ok. Donc, Bandit 1 commence à faire des moulinets avec son épée pour vous faire reculer. Bandit 3 a été intercepté dans son action, donc il est repoussé et il n'attaque pas notre ami Sep. Ah. Donc, Bandit 1 décide que finalement, c'est trop dangereux, il lâche son épée, lève les mains en l'air et commence à baragouiner. Mon gouvernement est prêt à négocier. Voilà. Bandit 3 décide que la hallebarde est drôlement dangereuse. Il est repoussé dans le coin et il décide de lâcher son épée et de commencer à baragouiner. Ouais, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Bon, je garde quand même ma hallebarde sous la gorge de Bandit 3. Les ficelés, surtout faire gaffe qu'ils n'ont pas des lames planquées. C'est pour ça que pendant que vous faites ça sur Bandit 1, ma hallebarde est sur la gorge de Bandit 3, pour pas qu'il bouge. D'accord, donc je serais plus rassuré s'ils étaient menacés aussi par un arc et une flèche. Oh, tout de suite. Oh, ils sont menacés par deux épées. Hein. C'est pas toi qui les paye les flèches, putain. Non, mais je négocierai pour qu'elles soient moins chères. Mais bon, dans tous les cas, je les fouille, je les dépouille de toutes leurs armes planquées ou non. Et après, j'essaie. Faut qu'on trouve un moyen de les attacher ou de les assommer. Hein, de toute façon. Parce qu'à moins que vous parliez la langue. Alors donc, pour l'instant, vous les maintenez en joue, il n'y a pas de souci. Vous commencez à les désarmer, pas de souci là-dessus. Vous me faites un test de perception, s'il vous plaît. Combien? Oh, attends, ça a réussi. Ah, on s'est fait tous un bon score quand même, hein. Il y a juste Béatrix que j'ai pas. Ouais, je suis en train de regarder et non, je ne vois pas. Okay. Non. J'ai une perception dans les trucs. C'est dans les compétences. Dans la compétence qui s'appelle perception. Ça passe. C'est pas vu.
Allez. Ok, ouais, j'ai 35, oui, donc oui. Donc, clairement, vous entendez que il y a du monde derrière la porte sud. Ah. Sauf Béatrix, qui, elle, est toute contente d'être enfin obéie par un... Enfin, c'est la première fois qu'un bandit lui obéit. Exactement. C'est cool, non ? Quand tu dis du bruit, c'est, ça arrive vers nous ? Alors, c'est juste que tu entends du bruit, c'est... t'entends clairement qu'il y a quelque chose derrière la porte. Voilà. C'est, ça ne parle véritablement, tu entends juste qu'il y a quelque chose à la porte. Je bloque la porte. Alors, vous entendez quand même que les gars arrivent à baragouiner dans un Reich assez étonnant, enfin assez, assez hésitant. J'ai... Réponse, clan. Voilà. Donc, Béatrix, tu ne m'annonces rien ce round-ci. Non, je te dis, tu m'annonces rien. Non, je ne m'annonce rien. Kranich, que fais-tu ? Alors, on est d'accord, on les gotés, là, les gars. Ah oui, excuse-moi. Pardon ? On les a ligotés ou pas, là, les mecs ? Alors, pour l'instant, vous ne les avez pas ligotés. Vous les avez mis, enfin, vous les tenez en joue. Et ils ont posé leurs armes. Et ils ont dit, je me rends. Voilà. C'est ce qui est passé à son. Je te demande ce que tu fais, compte tenu du clan. Vous êtes. D'accord, ok. Donc, clairement, allez, une action automatique. Et je garde vraiment la porte à l'œil, c'est la deuxième porte au sud en fait, parce que j'essaie de terminer c'est quoi comme bruit, mais je pense que ce sont des mecs qui se ramènent, donc... D'accord, je veux juste savoir ce que tu fais, les supputations après, on verra. Je pense que je vais inverser ma place avec Sepp, tout en gardant Bandit 3 sous la menace. D'accord, ok. Sepp, que fais-tu ? Tu vois que Kranich a l'air de vouloir échanger ta porte. Rapproche de la porte ? Bah, moi j'allais coller à la porte pour la bloquer et écouter. Sur quel côté la porte ? Ah. Ça, en fait. Eh ben, que maintenant tu te rapproches, tu aperçois que la porte s'ouvre. Tu dois la pousser ou il doit la tirer de l'autre côté. Voilà. Faut que et elle se pousse de ton côté, elle se tire de l'autre. Ok, d'accord. Ouais, donc je peux pas la bloquer comme ça. Et il n'y a pas de verrou. Ouais, bah écoute, j'écoute. Est-ce qu'elle... Elle est fermée, mais elle n'est pas verrouillée. Ok, j'entrebâille. Je l'ouvre juste un tout petit peu pour écouter. Yep. Ensuite, s'il te plaît. Dorme. Je range mon épée et dégaine mon arc. Mon arc. Je me tiens en joue. D'accord. Est-ce qu'il y a un rechargement... Alors j'ai rechargement rapide pour l'arc. Oui, d'accord. Non, mais donc, ça veut dire que tu peux prendre une demi-action pour en gainer, une demi-action pour prendre ton arc. Je veux bien. Voilà. Et après, si j'ai le droit... En attaque, enfin, en automatique, tu peux avoir une flèche. Ouais, mais si, en automatique, je peux faire peut-être un pas de côté ou un truc comme ça, tu vois. Pour me mettre en face de la porte, peut-être. En prenant ton arc, en faisant un pas de côté, oui, tu peux faire un petit pas de côté sans souci. Ça me voilà, c'est pas. Juste ça... Tu peux pas traverser la pièce, mais tu peux faire un petit pas de côté et arriver à la moitié de la pièce, sans souci. Donc, Béatrix, toi, tu gardes ton gars en joue. En respect, ouais, avec du bout de la pointe de l'épée. Donc, l'elfe, rapidement, rengaine son épée, tire son arc, encoche une flèche, fait un petit pas de côté, et tu présumes que tu mets en joue la porte. Ok. T'as reconnu des connaisses. Sepp, tu t'approches et tu t'aperçois qu'en fait, quelqu'un est en train de faire le même mouvement que toi. Voilà, de l'autre côté de la porte. J'ai mon épée à la main. Ah oui, mais bon, pour l'instant, ouais. Tu es là. Ouais. Voilà. donc, Sepp, non, Kranich, t'es légèrement décalé, tu me l'avais dit, et donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, nouveau round. Ah oui, personne n'a prévenu Béatrix. Alors. Bon, elle verra. elle m'a vu bouger quand même, elle me dirigeait, j'ai donné un coup d'œil vers la porte quand même, donc. Oui. Elle fait un plus un, ça doit aller quoi. Alors, je vous dis seulement que la porte va s'ouvrir. Vos deux gars là ne bougent pas pour l'instant. Donc, vous ne savez pas ce qu'il y a, mais vous savez que la porte est en train de s'ouvrir. Voilà. Béatrice, que fais-tu ? Je fais le signe universel de
du majeur sur les lèvres de l'autre pour lui dire, enfin pour lui faire comprendre de ne pas s'y piper un mot. Le tout avec la pointe de l'épée contre sa glotte. Ça me va. Kranich, que fais-tu? Désolé pour moi. C'est pas une action, c'est pas une action valide du jeu. C'est un bip, n'est pas une action que tu as dans le combat. Non, c'est pas R2D2, ce bip c'est. C'est R2D2. Eh, j'ai plus de batterie. Bref, qu'est-ce que je vais faire, putain? La porte s'ouvre. Zep, menace, tu gardes le bandit 3 là, et puis moi je m'intercepte. Alors attends. Annonce ce que tu fais, voilà. Ouais. Faut vraiment que je. Oh, attends, elle s'ouvre doucement. Ah, quelqu'un est en train d'entrebâiller la porte. C'est exactement ce que. Bah, c'est. Alors, il y a Zep, qui est devant la porte. Hein. Ouais, c'est ça le problème. Non, mais j'ai compris que tu veux me donner un coup de latte depuis tout à l'heure, j'ai compris, hein. Un chef Ponga, chef Ponga, s'il faut. Ah, écoute, laisse-le faire pour la. Voilà. C'est ça, c'est moi, je vais me diriger beaucoup plus vers l'apte en fait, et pour donner un gros. Pour l'enfoncer et pousser le mec qui essaie de l'ouvrir, quoi. En fait, j'allais le faire. D'accord. Aussi. Donc, attends, tu veux donner quoi? Un coup de halbarde, c'est ça, ou un coup de latte dans la porte? J'ai pas bien compris. Ben, deux pieds, quoi, c'est. D'accord, donc tu veux pour t'approcher pour donner un coup de pied, ok. Bon. Ouais. Y'a pas de soucis. Sep, tu vois que notre ami Kranich a l'air décidé à aller donner un coup de pied dans la porte. Que fais-tu? Bah, est-ce qu'on peut donner un coup de pied à deux dans la porte? Oui, faut juste que tu repartes ton action pour te coordonner avec lui. Bah, c'est ça en fait. D'accord. Non. On a perdu l'elfe. On a perdu l'elfe, ouais. Je sais pas. Je pense que je vais retarder mon action et voir ce qui va sortir de la porte, si j'ai besoin de tirer ou pas. D'accord, donc en fait tu vas attendre pour voir si tu vas tirer ou pas. Ouais, et je dis à Béatrix de récupérer les armes des. Parce que je suppose que les armes. Enfin, je sais pas si les armes des deux prisonniers qu'on a fait, on les a isolées ou pas. Alors, le truc c'est que. Si tu veux faire une action automatique, c'est quelques mots uniquement. Bah, je vais. Donc vas-y. Béatrix. Récupère les armes. Oui, okay. C'est. Ouais. Ouais. Ok. Donc. Tu demandes à Béatrix de récupérer les armes et tu te mets enfin tu t'es quasiment en joue. Ah, ouais. Ok. Y a pas de souci. Sep, tu vois dans enfin tu vois Kranich approcher, tu vois qu'il veut donner un coup de pied dans la porte, tu décides de l'accompagner. À ce moment-là, bah, vous me balancez tous les deux. Ça va être un jet de CC. Faites-moi un jet de CC. Voilà. Clairement, c'est une attaque. Vous me faites un jet de CC. 39, 35, ouais, 39 sur 29. D'accord, ok. Ouais. 61 sur 42. Non, j'ai Béatrix, t'es pas en train d'attaquer, toi. Non, justement. C'est Kranich et. Donc, clairement, votre attaque passe. Donc. Alors, moi, c'est 35 sur 42. Grand... Oui, mais. Bon, ton attaque passe. Voilà. Donc, vous donnez un grand coup de tatane dans la porte, tous les deux. Et le gars qui est derrière se prend la porte et manifestement il n'était pas tout seul. Ils sont un certain nombre derrière. Alors, ils sont un nombre certain. Je vais les rajouter. Faites chier la vache. On a peut-être dû les préparer avant ça. Et un dernier. Donc. Ouais, moi je dis faut tuer nos otages pour pouvoir les prendre un par un devant la porte. Hein. C'est moche ça, monsieur. Ah ouais, mais en même temps tu veux avoir des otages à côté de toi qui ont des armes à leurs pieds. Alors, donc, note voilà. Pour la prochaine fois, il faut qu'on prenne un hoplite avec une énorme lance. Alors, comme ça on peut tous les embrocher d'un coup. Clairement, votre coup n'a pas complètement renversé votre adversaire. Par contre, bon, il a fait quand même un culé dans ses copains. Qui décide de le repousser un petit peu, voilà. Et c'est mais clairement, vous les avez pris par surprise, voilà. Dental, que fais-tu? J'achève un otage. Tu souhaites intervenir? Tu souhaites attendre? Comment? Je peux achever un otage ou pas? Bah, tu visais la porte. Si tu veux achever un otage, t'as retardé ton action.
on te l'accorde à moins 10, hein, parce que tu changes de cible. Non, enfin non, non, je pensais que c'était le tour d'après, c'est au tour d'après que je... D'accord. Que fais-tu alors là tu... Bah, je me tourne vers un otage. Quoi? Je me tourne vers un otage. D'accord, donc tu ne décoches pas ta flèche. D'accord. Donc Béatrix, t'étais en train... Je ramassais les armes normalement, donc... Voilà, ok. Pas de soucis. Et je les écarte. Très bien. Oui. Ensuite, eh ben, tu vois que les gars vont, enfin, sont très surpris. Donc, ils s'attendaient pas à ce que vous fassiez une sortie en force. Donc, ils se remettent un peu de leur surprise. Si ce n'est que vous entendez un gars derrière qui gueule très fort dans une langue, mais qui est la même que celle qui a été faite par les autres gars. Regarde, ça sonne pareil. Qu'est-ce que vous faites, Béatrix? Une fois que j'ai écarté les armes des autres, et apparemment comme Dortal a l'air de les maintenir en respect, nos alors, prisonniers... T'arrives à écarter l'arme du gars qui est à côté de toi, ça c'est pas un souci. L'autre elle est de l'autre côté d'une table, il faudra que tu passes par-dessus pour aller la choper. Ouais, je m'occuperai pas de l'autre. De toute façon, dans tel le menace, etc. Quoique, ils ont des. Comment ils réagissent nos deux prisonniers quand ils voient les autres Ils ont l'air aussi surpris que les autres. C'est peut-être pas les bons. C'est peut-être pas une bonne idée d'essayer de les liquider. Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. Bon, écoute, et, maintenant tu pas, me dis ce que tu fais. Tu vas pas négocier, ouais. Là. Ils parlent pas la langue. Je vais me rapprocher et je vais me mettre en support de mes deux petits de tes deux camarades, ça me va. Ouais, c'est ça. Ok. De toute façon, il y a choix. Les adversaires sont surpris, hein. Clairement, ils attaquent pas ce round-ci. Bah, ton adversaire, parce que. Je fracasse le premier, quoi. Je fracasse le premier. D'accord. Comment tu le fracasses? Brutal? Brutal, ouais. D'accord. Tu attaques brutalement avec ta hallebarde le pauvre gars qui était devant. Ça me va. Seb, que fais-tu? Je reste en appui de Kranich pour tataner le plus proche. D'accord. À savoir, attaque parade. D'accord, ok. T'attaques le mec qui est en train de frapper, quoi. Ouais, ouais. D'accord, ok, ça me va. Attaque, et puis sur parade. Dental, que fais-tu? Je tiens à respecter les mecs et je leur fais comprendre qu'il faut pas qu'ils bougent. Il faut pas qu'ils bougent. D'accord. En gros, le premier qui essaie d'attraper une arme, il se prend une flèche, quoi. C'est un peu l'idée. Ça me va. Ok. Niche et Sep. Vous pouvez faire vos jets d'attaque, il n'y a personne pour vous en empêcher. Vous avez plus. Ah non, t'as pas fait une attaque. J'aurais dû faire une brutale, mais c'est tant pis. Il a fait 6. Et toi, Kani, enfin. 50, donc c'est. D'accord, ok. Vous me faites les dégâts tous les deux. Alors, c'est quoi qu'il faut faire? C'est. Ah, alors, Sepp vient non, de faire non, un non, 10, non, c'est bien non, ça? Non, non, je parle attends, à Obi. Attends. Sepp, tu viens de faire un 10, non? Ouais. Ok. 10. 10 aux dégâts, il se passe quelque chose d'un peu particulier. Tu as attiré l'attention d'Ulrich. Ulrich, dieu de la guerre et des batailles. Je ne sais pas pourquoi, mais a priori, Ulrich, à ce moment-là, regardait ce qui se passait. Tu as possibilité de transformer ce 10 en quelque chose de beaucoup plus monstrueux, qui s'appelle la fureur d'Ulrich. Alors, pour réaliser une fureur d'Ulrich, tu fais 10 naturel au jet de dés, ce que tu viens de faire, et donc tu fais un test de CC sans modificateur. Donc on va juste, donc t'as juste 29%. Lance un décembre, voilà. Si tu avais fait moins de 29, le 10 explosait. Voilà. Et donc tu rajoutais le résultat du nouveau dé au précédent. Ce qui n'est pas le cas. Bon. Donc tu vas te contenter de faire 13 dégâts. Quand je dis contenté, voilà. Hein. Le pauvre gars n'a pas d'armure. Tu vois qu'il est pas très très fort. Tu vois que ton coup d'épée l'a proprement séché, quoi. Voilà. Il est blessé sérieusement. Kanish, tu fais tes dégâts, s'il te plaît. Alors, du coup, je demande à Obi, je fais 2 des 10. Je l'ai affiché dans le chat. Dans le chat privé. Ah oui. Ok. 9.
de dégâts. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, donc ça, ça a calculé direct. Donc, tu fais 9 de dégâts. Bon, bah, clairement, le gars, séché net, quoi. Voilà. C'est gore, il n'y a pas de soucis. C'est... Dans la tête, en plus. Vivant tu l'as foutu dans la tête ? Bon, allez, c'est un coup critique, on va regarder un petit peu combien tu l'as mis. Vas-y, tire un dessin, vas-y. Du sang. Non, un dessin. Ah oui, un dessin, pas du sang. Tu as abonné au 9, là. Ça fait le 9 en coup critique, ça va faire mal. Ça picote. Oh, ça picote. Alors, clairement, tu viens de lui. Tu viens. Alors... Ça va le décapiter un peu comme ça, non ? En fait, ta hallebarde le prend juste à la base du cou, et sa tête est balancée 3 mètres en arrière, rebondissant sur ses petits camarades, il commence à pousser des cris abominables. Ça devrait leur faire un petit effet. Du sang. Alors, donc, le mec, évidemment, tu viens de lui arracher la tête, hein, donc il est en train de repeindre tout le couloir en sang. Et clairement, tu viens d'effrayer complètement tous ces petits camarades. Donc, alors, vous avez compris, c'est qu'il tronde. Pardon. Clairement, tu viens de nous les démoraliser. Voilà. Donc, ils sont encore toqués parce qu'ils viennent de voir. Il y a juste un gars derrière qui est en train de leur gueuler dessus. Et tu vois que arrive à reprendre le contrôle de ces gars qui finalement ne vont pas s'enfuir. Mais il y a un mouvement de panique, machin, ils n'en font rien encore ce tour-ci. Que faites-vous, ouais, Béatrix ? Il y a le boss au fond, il y a le boss au fond. Juste une chose, monsieur l'écureuil, il est minuit. Hein. Oui. Bah, est-ce qu'on s'arrête au milieu du combat ou est-ce qu'on le finit ? Il n'y en a pas pour long, je pense. Hein. Et on continue à faire des bons jets comme ça ? Ouais, allez. D'accord. De toute façon, on va accélérer le truc à vite faire. Hein. Donc, qu'est-ce que vous faites, Béatrix ? Bah, je reste toujours en support, parce que de toute façon, d'accord, ça me ils sont donc, pas de soucis. Ok, Sepp et Kranich, qu'est-ce que vous faites ? C'est Kranich d'abord, mais la question c'est, là, le mec, il fait rien là, en face, le suivant. Tous, ils sont tous, enfin, ils s'arrêtent, enfin, ils étaient prêts à partir, mais le mec qui est derrière eux, manifestement, les boostent un peu et ils ne partent pas, mais ils ne font rien sur Runti. Moi je suis pour avec Kranich qu'on avance d'un pas et qu'on tatane le suivant, même chose. C'est ça. D'accord, vous commencez à vous coordonner, faire une attaque coordonnée, quoi. Ouais. Putain, d'accord, ça me va, y'a pas de souci. Attaque brutale avance coordonnée. Avance-toi. Ouais, y'a pas de souci. Donc, Dantal, que fais-tu ? Je demande à Béatrix de les surveiller pour que j'aille les aider, moi, tire de loin. Parce que elle regarde, voilà, moi je peux tirer, quoi. Bah, elle a dit qu'elle était en soutien, je considère que le soutien peut être aussi de cette nature-là. Ça me va. Donc tu peux te décaler et te mettre à la place de Béatrix. Ah, et du coup, tour prochain, je pourrais attaquer, quoi. Ok, ça me va. Eh ben, vous me lancez vos jets d'attaque, s'il vous plaît. D'accord. Bah, même avec la meilleure volonté du monde. Là, je crois que je vais le craquer tout de suite. Ouais, bah, au moins, ça sera pas une. Alors, clairement, ça passe. Bah, t'as plus 30, hein. Ouais. Bah, oui, clairement, ça passe. Donc, toi, par contre, t'as plus de fortune, hein. Ouais, je suis à zéro. Kranich, il me semble que t'en as plus non plus, hein. Si, j'en ai encore un. Encore un. Béatrix, non, t'en as plus, hein. Non, Béatrix, on a plus. Et Dantel, on a. J'en ai plus. J'en ai on a plus non plus. Ouais, ok. Donc, ensuite, j'ai pas vu ton jet. Ah. oui, pardon. Non, c'est moi. C'est... Non, Béatrix, t'en fais pas. C'était toi. Moi. Ok. Donc, bah écoute. Vas-y, je vais claquer mon dernier point. Ah d'accord, ok. Bah vas-y. Claquer mon dernier point. Ah bah ça passe mieux. Ok. Donc 85 c'est une jambe, 84 c'est une jambe aussi, c'est la même. Vous l'attaquez tous les deux sur la même jambe, c'est bien coordonné, allez-y. Faites vos dégâts. Ok. 11. Ça va, bon. Ouais. Le deuxième bandit est séché. On peut leur balancer la jambe à la gueule juste pour...
Alors, clairement, ils sont... Enfin, c'est... Ils voient des mecs très sauvages leur arriver dessus. Non, puis après, il va y avoir les flèches qui vont leur pleuvoir sur la gueule, ça va leur faire bizarre aussi. Hein. Alors, aussi bizarre que ce puisse paraître, vous voyez comme un mouvement de flottement. Vous voyez que les gars sont prêts à se barrer, et le gars qui est derrière, manifestement, arrive à les tenir. Donc, voilà. Donc, ça commence à s'éclaircir un petit peu, quand même. Vous voyez ce qui se passe derrière. Donc, il y a un gars qui a l'air un peu mieux habillé que les autres. Les autres ont l'air vraiment habillés comme des loqueux. Vous voyez qu'ils ont même pas d'épée, en fait. Ils ont des gourdins à la main, ceux-là. Alors, ouais, bah, ils... C'est le mec qui nous a niqué dans la ruelle. Vengeance! Vengeance! Moi je dis, ça serait dommage que le gars qui gueule derrière il se mange une flèche dans la gueule. Hein. C'est ce que j'imaginais, effectivement. Je suis sur la même longueur d'onde d'un gaz. Ça serait vraiment. D'accord, alors il est un petit peu loin. Enfin, il est un petit peu loin, il est surtout derrière des mecs. Si tu veux le toucher, ça sera avec un moins 20%. Donc, si tu le vises, donc tu peux viser et tirer, tu pourras gagner 10%. Donc tu n'auras qu'un malus de 10 pour le toucher. Si tu veux le toucher. Ouais, c'est ce que je vais faire. D'accord, ok. Donc, après, c'est aussi pour lui faire peur, parce qu'il va se dire, ouais. Tiens, il essaie de me toucher, tu vois. Donc, clairement, les mecs sont prêts à débander, lui les tient, voilà ce qu'ils sont dans ce round-là. Donc, ça flotte encore, les mecs n'arrivent pas à attaquer. Okay, ils n'arrivent pas à se décider, ils savent pas s'ils ont plus peur de vous ou du mec qui est derrière eux. Voilà. Donc, que faites-vous, Sepp et Kranich? Enfin, Béatrix, un pas en avant, et même chose, hein. C'est ça, genre, ouais, c'est ça, bah moi je reste toujours en support, de toute façon, ils avancent, ils sont tous les... Non, tu surveilles les autres. Je t'ai demandé de les surveiller, les prisonniers. Ah, pardon, je croyais que tu les surveillais, toi. Non, bah je surveille les prisonniers, alors. Ah, c'est tout noir. Il fait tout noir. Il fait toujours. Ah. Le bandit 1, il qui est dans le mur, il est pas. Ouais. Il est dans le mur. C'est ça. Je sais pas pourquoi il y a un doublon, mais bon. Donc, Dantal, tu t'es déplacé, tu m'as dit. Ouais. Et tu vas tirer, c'est ça, pour le gars. Ok. C'est l'idée. Eh ben, écoute, tu fais ton jeu. Tour d'avant. Oui, non, mais. Donc à moins 10. Il s'était pas replacé. Bon, donc à ton initiative, tu... Ouais. C'est mon initiative, là. Oui, mais c'est à ton tour, maintenant, vas-y. C'est voilà. Raté. Donc, voilà, c'est raté. Tu n'as plus de points de fortune, donc c'est fini. Ensuite, allez-y, Sepp et Kranich, faites-vous. C'est raté. Et c'est raté aussi. Allez. Top là, en même c'est... temps, on pouvait pas non plus. Donc, nouveau round. Comme étant donné que vous n'avez pas. Réussi à les sécher, le côté un peu flottement vient de se terminer. Donc, le gars derrière leur ordonne d'y aller en agitant son épée dans tous les sens. Et manifestement, il arrive à les motiver. Et donc, ils vont vous. Enfin, le premier va vous attaquer en faisant des mouvements très désordonnés. Et il va vous attaquer donc brutalement. Voilà. Donc, Béatrix, j'imagine que tu continues de garder tes gants en respect. Tout à fait. Premier qui bouffe, il s'en prend une. Ouais, Sepp, Kranich, qu'est-ce que vous faites? Non, mais c'est pareil, je considère que vous agissez à peu près. Vous agissez coup, à un niveau. Attaque parade, point. Vu qu'il attaque le gars devant. Attaque parade, d'accord. Et. Non, pas Sepp, Kranich. En fait. Attaque brutale, ok, ça me va. Brutal, ouais. Il a pas encore décidé qui l'allait attaquer, il va se décider au dernier moment, donc ça sera dessiné au hasard. Dantal, que fais-tu? Bah, moi, toujours le même, j'essaie de taper le. Le mec d'accord. Derrière. Ok, tu vises? Oui. D'accord. Une action automatique pour dégainer, tu vises une demi-action, tu tires une demi-action, vas-y. Ça passe. T'as moins 10, ça passe. 13, tu le touches à la tête. Dégâts. Ouh, ça fait piquer un peu. Ouh. 10. En tout. Donc, il peut prendre 10 de dégâts. Je vérifie, il est équipé d'une veste de cuir, il n'a rien d'autre, donc... Il n'est pas protégé là, et il se bouffe
Ah ouais, il est moins solide que les autres quand même. Headshot. Alors, non, tu ne l'as pas, tu ne l'as pas complètement fumé, mais il n'est pas bien. Voilà. Ah bah, en tout cas, il a un œil qui voit vachement moins bien. Hein, sur c'est-à-dire que flèche est rentrée dedans. Pour voir le bout de ma flèche, il doit le boucher, quoi. C'est ça, que c'est pour l'encoche. Donc, il y a l'empennage de ta flèche, brutale, mais il gratte le nez, en fait. C'est ça. Il fait une attaque normale, 7. Ouais. Alors, ah oui, tu fais une attaque normale, pardon, oui, c'est vrai. Donc, tu fais juste une attaque à plus 10. Et ça ne touche pas, je pense. Hein. Non, ça touche pas. Effectivement, ça ne touche pas. Donc, Kranich. C'est moi qui fais l'attaque brutale. Touche. Joli. Donc 80, tu le touches au torse. Il n'a pas d'armure. Fais-lui les dégâts. C'est brutal. 5. Oh, bordel de cul. Ah, c'était dommage. C'était un beau mouvement, mais... Ah, il y a des fois, dire que c'est peut-être le côté exigu, enfin voilà quoi. Mais bon, toujours est-il que il n'y a pas de souci. Donc, attaque de façon désordonnée. Donc, un des deux pour savoir qui va attaquer. Eh ben, il attaque Sepp. Sepp qui a justement préparé une parade. Parce que... Donc, il attaque et ça loupe. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parer ? C'est bon. Béatrix, tu vas juste me faire un petit jet, s'il te plaît. Ok. C'est plutôt un gros, mais voilà. Ok, c'est bon. Donc, les trois décident de te sauter dessus. Voilà. Il est pas comme ça. Il pense que tu es... Est-ce que tu es moins attentive et donc il décide de te sauter dessus. Et il a Manu. Donc il va tenter le tout pour le tout, une attaque brutale. Non, il va essayer de te repousser, pardon. Et. Que fais-tu ? Ah bah je vais le frapper, hein. De toute façon, c'est le premier qui mouvetait, il s'en prenait une. D'accord, tu l'attaques brutalement ? Ouais, aussi. D'accord, ok. Donc lui, en fait, tout ce qu'il fait, c'est une manœuvre, donc c'est un test. Si jamais il réussit, il te fait reculer dans la direction qu'il veut de 2 mètres. Donc, clairement, même si t'as préparé une... voilà, ça marche. Donc, tu l'attaques brutalement, ça me va. Seb, Kranich, qu'est-ce que vous faites ? Taper... Pareil, attaque parade, perso. Brutal. Brutal, d'accord, ok. Ça me va. Mais t'as pas dit qu'il faisait les bandits, hein. Oui, lui il continue d'attaquer. L'autre par contre, c'est le cul. Pardon, excuse-moi. Oui. Donc celui qui est devant, il va attaquer, c'est certain, brutalement, et un ou deux. Merde, attends, si je le balance dans PS, ça va pas le faire. La fatigue commence à se faire sentir. Tout à fait. Clairement, les deux autres, ça se barrer. Sachant que Level 6, il est juste surpris de s'être mis une flèche dans la gueule, donc ce tour-ci, il va hurler beaucoup. Attends, s'il gueulait pas, il ne serait pas pris la flèche. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, vous attaquez le mec qui vous attaque ? Donc, oui, c'est ça. Dental, que fais-tu ? Le même ? Est-ce que je peux aider Oui, tu le vois à faire. Ok. Donc, ça veut dire, est-ce que je peux tirer une flèche sur le gars avant qu'il agisse sur Béatrix, avant qu'il saute sur elle ? Clairement. On peut lui balancer une flèche dans la gueule. Du coup, je fais ça. Parce que tu le vois, hein, donc t'as l'initiative, très bien. C'est ce que je fais. Tu peux une flèche, voilà, ok. T'as plus de 10%, il est quasiment à bout portant, donc tu le vois agir. Bah, c'est raté. Désolé. Au moins que tu fais des. Sep, Kranich, allez-y, défouillez-vous. Sep, c'est raté. Non. Kranich, plus c'est 70. Non, ok, ça marche. Faut que je fasse 70.
Donc, c'est raté, y a pas de souci. Béatrix, tu as attaqué ton adversaire sauvagement, vas-y, fais-toi. Et 30, ça passe. Tu viens de lui coller un grand coup d'épée dans la gueule, vas-y. Hop. La tête. Oui, ça va. Il lui fait 7 points de dégâts. Ok, ouais. Ça va. En même temps, il s'est prévenu. Ok. Il tente de te repousser. Tu me fais un jet. Il réussit avec une marge de 1. Et ben, je pense qu'il va me repousser en direction de. Ça réussit et il commence à courir comme un dératé. C'est Bandit 1 ou Bandit 3 qui faisait ça? C'est Bandit 3, pardon. Du coup, Bandit 3 se carapate par le passage. Bandit 2, enfin le bandit qui reste debout en bas là, continue et il attaque l'autre brutalement et il est soutenu par. D'accord. Et donc l'autre va attaquer brutalement également. Un avec un gourdin, l'autre avec une épée. Et ils prennent 6 s'en prend à Sepp et 3 s'en prend à. Kranich. Ils attaquent les deux brutalement. Patrix! Je course celui qui essaie de se casser. D'accord, donc tu as l'initiative sur lui, donc tu peux même essayer de lui en coller une si tu veux. Je peux lui coller une manœuvre et faire une petite manœuvre, enfin faire un mouvement et faire une attaque. Tu pars pas lui faire une attaque brutale dans la gueule. Quoi. Non, mais ça c'est. Mais je veux éviter qu'il se casse, quoi, clairement. Donc, tu te décris. Ça me bat. Sepp Kranich, qu'est-ce que. Brutal sur Val 3. Je reste sur le même, aussi sur le même que lui. D'accord. Mais par contre, je fais attaque parade. Je vais garder en respect Bandit 1. Il reste là. Oui, il est là. Pas en état, lui, clairement. D'accord. Je vais tirer une flèche, du coup, pour aider Sepp et Kranich. D'accord. Comme ils sont engagés en corps à corps, fais-moi. Ok. Si tu loupes de 20, parce que toucher des. Ouais, c'est compliqué. Et je peux pas tirer plus loin? Non. Ou tirer sur ce bandit 3? Celui qui s'enfuit? Ouais. Oui, tu peux encore avant que Béatrix ne s'impose. C'est ça. Et du coup, on va faire ça comme ça. Ça passe. Ok, tu le touches. C'est les dégâts. C'est une jambe en plus. Ah non, c'est le corps, pardon. Ok. 4. Il y a un plus 3 quand même. Hein. Oui, tu fais un dégât. Tu lui fais un dégât parce qu'il se prend un coup d'impact, mais c'est tout. Voilà. On marque, il est cassé. Hein. Ouais. Il te reste combien de flèches, dis-moi? 2. T'es sûr? Oui. T'es sûr? T'as attiré combien? Eh ben, j'en ai. J'en avais 6, j'en avais 7, et j'en ai tiré 4. T'en avais 6 Moi j'en avais 7, mais. Ah, d'accord, mais après j'en ai récupéré 8 en fait. Ok, non, c'est bon. On a 2. Il m'en reste 2. Ouais. C'est bon. Ouais, il y en a une troisième qui traîne dans la pièce là, mais. Non, c'est bon, y'a pas de soucis. Ça va pas l'arrêter. Paniche et Sep, allez-y. Toujours pas. Hein. top là dans le miss. Pourtant j'ai fait des beaux trucs avant, mais là. Béatrix, tu vas-y. C'est parti. Oh, c'est beau ça. Et c'est un super tacle que je lui fais. À l'épée. D'accord, tu fais tes dégâts dans la tête. Ah non, 40. Non, ça fait 40. 40, c'est le bras gauche. Et il s'en prend 13 dans le bras gauche. Elle a fait 10, hein. T'as fait 10. J'ai fait 10. Une fureur d'Ulrich, peut-être. Vas-y. Est-ce que tu déclenches une fureur d'Ulrich? Un des 100 sous ta carac non modifié. Eh bah oui. Et ça passe. C'est un succès. Tu me relances un des 10, s'il te plaît. Dans le dos. T'as pas honte?
Alors, il était pas de, ouais. de dos avant, hein, mais bon. Un des 10, s'il te plaît. Un des 10. Sur le modificateur de force. Et 5. Alors, 5. Donc, tu me fais 18 points de dégâts. Ouais, est-ce que je décris la façon horrible dont tu viens de l'empaler? Non. Non, mais je pense que là... Bon. Tout ce que tu sais, c'est que tu lui as enfoncé l'épée jusqu'à la garde et que t'as entendu un immense gargouillement et que quand tu l'as ressorti, il y a tout qui a giclé avec. Comme ça, je peux me retourner vers bandit 1 en lui disant « J'ai dit pas bouger ». Ça va. Ouais, mais c'est grâce à la flèche dans le pied hein, qu'il a retardé. Voilà. Donc, le troisième, enfin Valentin 3 vous attaque. Non, est-ce que je peux dire quelque chose? 40, c'est dans le... ça donne dans le bras gauche. Oui, oui, bah, c'est alors, pour ça que... En fait, j'ai transpercé le bras gauche pour aller jusqu'au ventre. D'accord. Voilà. Donc, ah, c'est ce que j'avais dit. Hein. Ok, il a attaqué, il a raté. Et par contre, le mec d'attaque, Sepp, il faisait une attaque brutale. Hein. Je crois qu'il réussit, et je vérifie. Hop, 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 hop. Effectivement... Puis à une CC de 37, il a le droit à une part. C'est raté. Joli. C'est ça. Ça va faire mal. Ou pas. Ça va. Alors, il a quand même une force de 3, il te fait 4 de dégâts. Tu soustrais ton bonus d'endurance. Donc 1 de dégâts. Et tu n'as pas d'armure, hein, il me semble. Hein. Les bandits comme ça peuvent faire une fureur de rig aussi. Pardon? Que les bandits comme. Il a tapé 65, il a tapé dans le corps. Bah, corps, c'est mon gilet en cuir, c'est un point d'armure, donc 0. D'accord, ok, donc tu t'es pris un point de dégâts. Ah, on se prend minimum un point de dégâts. Oui, oui. Okay. Toujours, c'est au moins le souffle coupé, quoi. Okay. Voilà. Donc, il s'attendait à un résultat beaucoup plus. Flagrant. Peut-être satisfaisant. Donc, bah, il continue de vous attaquer brutalement. Béatrix. Bon, toi, t'es un peu occupé à retirer ton épée du gars. Ok. Sepp et. Kranich. Pas bien d'attaquer celui qui a l'épée. Puis ça, je dis rien. Hein. Moi, brutal, Val 3. D'accord, ok. Et toi. Ouais, toujours pas celui qui a l'épée. D'accord. Et donc, toi, qu'est-ce que tu fais, Sepp? Bah, je vais attaquer Val 3 parce que. Pour soutenir, en fait. Pour continuer à soutenir. D'accord. Et bah, allez-y. Et bah, attaque parade, moi. Ah non, d'accord. Quoique oui, non, non. Je suis d'accord avec toi. Ouais, Val 6, c'est le plus important. Trop tard, t'as annoncé parce d'abord. Qu'il a plus... ouais, voilà. Ok, ouais, bah, vas-y. Non, mais... Ah oui, le dental, pardon, que fais-tu? Bah, je vais aller aider mes camarades à l'épée. D'accord, ok. Donc tu vas arriver derrière eux et tu vas les soutenir. Le truc, c'est que tu peux pas passer par-dessus eux, donc et ils sont déjà très à l'étroit dans le couloir. Hein. Ouais, bah s'ils m'envoient un adversaire derrière, moi je le prends, mais sinon... D'accord, ok. Voilà, c'est ça. Tu fais la pom-pom girl derrière, ça me va. C'est un peu l'idée. Kranich, non, Sepp et Kranich, bah, vous faites tous les deux votre jet d'attaque, hein, allez-y. Ah, ça touche. Ça passe. C'est dans la tête, hein. Alouette. Sepp. Ça va pas passer, normalement. Ah non, t'es pas en brutal. Non, je attaque brutal, donc ça fait que pas. Plus 10 et donc c'est 39, donc 43 ça passe pas. Ah. À moins que je me trompe, mais... Non, tu ne te trompes pas. Fais les dégâts. Fais un 10. Tu me fais un des 100 sur 40. Un des 100, s'il te plaît. Ça passe. Oh. Bon, bah... Ok, tu viens de lui faire 18 points de dégâts. Bon, clairement, la tête, bloum bloum, voilà. Ouais! Et deux! Deux têtes! Alors, du coup, Val 6 voyant ça, en loupe son attaque. Pour lui. Voilà! Bon. Et... Allez-y, alors, faites vos jets d'attaque. Maintenant, je peux me permettre. Ah bon? Non, je le regarde d'un regard avec un sourire carnassier et puis je l'attaque brutalement. Ouais, d'accord. Ouais, enfin, si tu fais un pas en avant, tu laisses la place à Dorntal de venir à l'épée. Hein. Ah oui, si je... Attends, si je me mets là, quoi. Ah, ouais, si tu le tournes, enfin, si tu le tournes, tu pourras pas faire d'attaque brutale, tu feras qu'une attaque normale. Hein. Ouais, c'est pour ça que c'est plus intéressant que je reste là et que je le brutalise. Bah, ça peut être intéressant que je sois là aussi, hein, mais...
Ouais, tu donnes un plus de... Ouais, vas-y, je vais attaquer normal. Pour ce tour-là, tu, je vais tu te mets, normal. Tu te mets en dessous de Val 6. Je peux plus te voir, t'es sous... Il y a trop de... Il est mort. Voilà. On retire ceux qui sont blessés, parce que comme ça... Il n'y a plus de blessés, là, avec des morts. Vous avez fait que des morts. Et donc, Dental, tu viens soutenir, c'est bien ça? Ouais. Ok. Ah bah, allez-y. Attaque parade. Ouais, moi je fais. Moi je fais une attaque brutale. Il s'est mis en défensif. Okay. Non, il s'est mis en défensif. Il fait... ah, tu si peux pas. Si je suis en défensif, moi je fais attaque brutale aussi. Bah, si. D'accord, ok. Bah, ah, bah c'est pas. De toute façon, vous avez plus 20%. Hein. Donc ça fait plus 40, c'est ça? Non, plus 20, parce qu'il est en posture défensive, il vous enlève moins 20. J'essaye, hein. Raté. Ça passe. Même sans bonus. Et j'ai pas vu ton jet. Bah attends, ah oui, non, on est tous coordonnés, c'est vrai. Donc, voilà. Bah vas-y, fais tes dégâts dans le tal. Ouais, bon. 9, parce qu'il y a un plus 3. Non, mais tu le fumes. Ok. Ouais, bah, avec ce qui s'était pris déjà dans la tête. C'est un saumon ?